Oh, ça fait trois fois que je fais ça, je Voilà, hop, c'est bon, me voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Voulez-vous faire mes knockout? Pas du tout. Mais je vais t'en. Pardon, je vais te. Pas du tout. Pas du tout. Des enfants. Pas du tout. Ah, mais alors ça, par contre, ça se fait pas, tu vois. Bah, les balles, elles retombent les deux vers toi. On me dit. Vas-y, Namerk, faut pas mourir là. Bien. Il nous a détruit en 1v2, Nitro. Oh, sur la dernière seconde, enfoiré. Bien joué, Nitro. Mazel-tov. Magnifique. Bien joué. Je partirais bien un petit peu sur Valheim tout à l'heure, je t'avoue. Bah, si tu veux, on peut décaler sur Valheim tout de suite. Non, on peut refaire quelques games, hein, si vous voulez. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Franchement, ce jeu-là, il est tip-top. Je trouve génial, mais j'aurais bien voulu que des membres du staff veulent venir jouer avec nous. Du chat, pardon. Du staff carrément. Tu vois, Yuda, tu veux dire Yuda, écoute, on joue ton grade de fondateur sur ce jeu. En 4 parties. C'est une blague, hein, bien sûr. Fondateur. D'ailleurs, vous savez que dans la vidéo, en fait, elle est géniale, la vidéo que je parlais tout à l'heure, donc McFly et Carlito, sur le concours d'anecdotes avec notre président. Oh là, c'est incroyable. Elle est incroyable, la vidéo. Et Macron, il les a taunt, mais il aura fait le plus beau taunt du YouTube game. En fait, Carlito, il sort son téléphone, il dit « Ah, j'ai eu des messages de ma fille », et t'entends les filles qui disent, ses filles qui disent « Oui, papa, tu vas tout déchirer contre le président et tout ». Et Macron, il regarde, et Carlito, il fait « Ouais, elles sont trop mignonnes ». Et Macron, il regarde Carlito, il fait « Non, mais il n'y a pas de souci, je les consolerai ». C'est the taunt, en fait. En vrai, c'était drôle, moi, je trouve ça. Ah, attendez, ah non, équipe incomplète, what the fuck. Bah, c'est vrai, je suis pas là. What? Ah bah il faut quitter. Ah moi je l'ai vu ce matin là, c'était incroyable. Me revoilà. Moi, si un jour je suis. Faites quitter le groupe. Si un jour je suis président, je fais quand même des lives tous les soirs à l'Elysée. Grave. Bah, moi j'attends toujours, hein. Je devais faire un octogone sur League of Legends avec Macron, mais. T'imagines, j'ai vu comment il s'appelle. J'ai vu Mr. V balancer un tweet un jour, il répondait à Macron, il faisait. Macron, viens tête à tête, 1-1 à Châtelet. On va lancer un tweet comme ça. Putain. Mec, je me permettrais même pas, tu vois, même si voilà, je suis pas d'accord avec lui sur plein de trucs. Non. Tu sais, il y a le respect quoi. Macron. Attends, en vrai, Ah ouais, en vrai, je suis tout seul dans la game là. Je vous ai invité. Ouais, quittez, je vous ai invité là. Gros, ça m'a lancé une game, j'étais tout seul. 1-1 sur CS:GO, il avait dit, il me semble Mister MV. Ouais, peut-être, ouais. Il y a. Oh non! Tu vas. Attendez, je rejoins votre groupe. Re BG, salut Zarok, ça va ma poule? Il y a que Namerk, hein, j'ai pas Nitro dans le truc là. Ah, Orion vient de retrouver. Si, je t'ai invité. Oh non, c'est mort, je joue pas avec vous, moi, c'est mort. Cassez-vous, je veux plus vous voir en fait. M'énerver là avec vos balles là.
Gros, j'ai trouvé le souci de mon PC. Ah merde, qu'est-ce qui se passe? Bah, y'a une bite dedans. Une bite dans ton PC? C'est étrange. Vas-y. Et non. Ah là 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 là. Feinte. Quoi? Attends, je t'ai tiré dessus, Lignon. Fais une passe, Lignon. Fais une passe. Non. Ouh. Alors ça, c'est crade que tu viens de faire, Orion. Il y a des gens qui finissent au goulag pour moi que ça. C'est ma rame qui était full, faut que je fasse ce que je fais, je mets mémoire vive. Ah bah voilà, t'as ta réponse. Ça aussi, c'est sale. Ok, alors écoutez les gars, je ne stream plus avec vous, c'est mort. Je ne veux plus voir vos gueules. Hein. Non, ce coup était super sale, mec. Tu m'as quand même. Ouais, j'étais quand même quoi? Non. Je t'ai shooté en l'air et il s'est pris un coup de snipe dans les fesses au même moment. Non, mais les gars, de chaque côté, non, mais c'est quoi ce GB là? Non, mais. Bon, vas-y, allez, faites-vous plaisir, ouais. Non, mais faites-vous plaisir. Ma mère qui l'a FK. Ma mère, t'es là? Ouais, je fais mon perso. C'est scandaleux. Le temps que vous amusez. Non, mais vous êtes scandaleux. Vraiment. Non, mais vraiment. Vous êtes insupportable. Non, mais. Non, mais. Non, mais c'est insupportable en fait. C'est... Alors, j'ai créé une membre. Une bande. Une membre? Une membre? Tiens, mange dans ta gueule. Et même pas en rêve. Même pas en rêve. Même pas en rêve. Je me casse. Je vous invite dans un truc qui s'appelle la bande. À Picsou ? C'est quoi que t'as fait ? Rendre rue ? C'est quoi ? On va dans quoi ? Je vous ai invité dans une bande, faut que vous l'acceptiez. Comment on fait ? Bah, dans tes invitations. Les Curve Master. Non, on s'appelle les Sin City normalement. Ou Curve Master, c'est le premier nom qu'il y avait, mais. On est City en fait. Chaos City. On est quoi? Chaos City. Votre bande, personne de la bande. Pour l'instant, j'ai que Orion dans la bande. Ils sont où les autres? Nitro et Orion et Namer, que je vous ai invité. C'est bon, désolé, j'étais occupé à faire mon personnage. Regardez-moi mon style de beau gosse. Regardez mon style de BG. T'as pas un bon logiciel pour nettoyer la RAM, c'est CCleaner. T'as invité Pour nettoyer la RAM, faut appeler la RATP, non? Mais tu m'as rien envoyé en MP. Si, c'est pas en MP, vous avez des invitations sur le jeu. Ouais. Donc, Orion il est dans la bande. Ah merde, on a la le merde, même. Il est dans la bande. Et Nitro, t'es dans la bande, on est tous dans la bande. C'est bon. Oh non, donc là, on va pouvoir lancer la partie. Il pense on est même. Habillé pareil. Ouais. C'est normal, c'est le skin de. C'est le skin de du Game Pass. Ouais. Oh.
Équipe incomplète. Eh ben évidemment, c'est moi. Pourquoi on peut pas sélectionner de trucs? Ah, parce que j'en ai tout ça. La Curve Master. Je vois, vous êtes dans le truc, moi je vois près 0-0. Elle me dit pas que j'ai encore. Ouais, t'as un bug, je pense, parce que pour nous, t'es là, t'es dans mon équipe. Non, mais c'est quoi ce délire, hein, putain? Eh, j'espère que j'ai pas re des problèmes de cours. Hein. Putain. Non, j'ai une galère là. Je vais refaire un test, du coup, parce que putain, ça commence à me gaver ça. Ouais, non, ça va, j'ai zéro de ping. Pourquoi? Alors attends, je vais quitter le groupe et partir. Je vais le rejoindre. On va quitter le groupe, on va recréer la room. Il se passe quoi? Il y a un bug. Oh ouais, j'ai eu un bug, ça, moi ça chargeait pas. Mais c'est pas Mako. Donc je pense que ça peut arriver. Mais non, fallait pas que vous quittiez le groupe, en fait, je peux vous rejoindre. On est en 3v3? Non. J'ai recréé la room parce que t'avais un bug. Mais là, je suis avec vous en jeu en fait. Non, c'est pas nous, pas possible. Si, regarde sur mon stream. Ici, c'est nous. Ouais, c'est vous êtes en game? Ouais, mais on quitte du coup. Amenez le groupe à la planque. Hop. Quoi? Tu peux pas. Si, bah, tu si. Peux. Du groupe. C'est ce que je viens de faire. Invite Lilian, s'il te plaît. J'ai déjà fait deux fois. Il faut que tu réinvites. Mais ouais, se réunir, on rejoignit le groupe. Veuillez réessayer. On quittait le groupe. Est-ce que vous avez pas quitté votre propre précédent groupe? Je suis tout seul dans mon groupe. Vas-y, retry. Ouais, tu peux renvoyer s'il te plaît. Des mecs bien chiants, tu sais. Oh putain, j'ai encore un bug, une erreur est survenue. Vous avez pas quitté le groupe. Je peux rejoindre votre groupe, donc vous avez pas quitté votre groupe. Faites échappe. Moi je l'ai quitté. Ouais. Voilà, merci. Putain, j'étais bug sur le jeu, c'est ouf. Attends, j'essaie de vous rejoindre. Mais merde, mais... Bon, tant pis, je vais juste relancer le jeu. Ça c'est pour nous dire, les gars, allez sur Valheim. Moi, je suis avec Namerk, hein. Arrête. Mais ouais, mais normalement, j'ai quitté le groupe, c'est pas normal que tu sois avec moi. Bon. Attends, je vous rejoins. Tu me vois t'éclater, là, ou pas? C'est bon, je suis là. Et tu vois, quand les mecs tirent, tu fais ça. Enfin, ça. Et tu récupères la balle en hauteur. C'est cool. On attend Nitro Fanatique pour lancer une partie en 2v2 sur notre petit projet. Salut Kylia, comment vas-tu? Oh merde! On est tous là, je crois. Oh merde! Je suis désolé, Nitro! Non.
ça va et toi? Ok, donc là ça va. J'ai pas de vous remute parce que j'entends le jeu en double là. Ouais. Non, moi je suis mute. Tu m'entends ou pas? Moi en fait j'ai carrément désactivé le chat vocal, c'est mille fois plus simple. Y a un problème, j'entends le jeu en double. Ouais, faut que tu désactives les micros, moi j'ai tout désactivé. Mon copain s'est mis aussi à ce jeu. Ah cool, ouais, il est vraiment sympa ce jeu, il est vraiment cool. Vraiment stylé. Vraiment stylax. Dans le jeu, ouais, j'entends personne, moi. Moi j'entends le jeu en double. Ah, le jeu en double. Ouais, c'est parce que quelqu'un doit avoir le micro ouvert. Non, mais il est coupé. Désactiver, réactiver le, la désactive... enfin, le coupage de votre micro. Attends, paramètres. Attends, juste deux secondes une fois que c'est lancé. Je vais aller dans paramètres, je vais virer le chat vocal. Non mais c'est bon, je l'entends plus, je l'entends plus. Non mais je vais le virer, comme ça il sera viré une bonne fois pour toutes en fait. Bon, pour l'instant je fais la bêta de Sword Legend, je trouve ça très sympa. Ouais, je l'ai pas fait la bêta, je t'avouerai, je pense que je vais y jouer un peu demain. Parce que j'ai reçu des clés. Je vais voir ça. Il est bien du coup Sword Legends? Pourquoi c'est du MMO? Alors attendez... volume vocal, volume public, volume de musique, volume DJ, volume effets spéciaux, une voix de personnage. T'as viré où ça, le chat vocal? T'as réussi à le trouver où? Ah, le dernier truc. D'accord, chat vocal, désactivé. Voilà. T'es là, Orion? Ouais. Ouais, j'ai une Amerc. Mais en snipe. Bien joué. Allez, boum, je l'ai une deuxième fois. Ouais, c'est du MMO classique avec du PvP avec un mode action et tap target pour les hérétiques comme moi en mode manette. D'accord. Ah ouais, hérétique de jouer un MMO sur manette. Pour toi, Orion. Attends. Oh non, merde, t'es rentré dans le. Ils ont chopé le multiball. Non, c'est moi. Ah. Ouais, toi aussi. Quoi? Elle est arrivée par où l'autre? Oh non! Oh le mec! Oh c'est criminel ça! Allez, boum. Allez, suivant. Moi, déjà? Ah bah, je suis mort que deux fois. Des roquettes, c'est 22. Alors, comment tu vas? Bien, toi, 22, salut. Après, c'est un style chinois assumé. Le gameplay est vachement dynamique. Le seul défaut que j'ai trouvé, c'est que le serveur Europe est assez mal opti, souvent des lags freeze. Oh, comme d'hab, en fait, comme d'hab. On est parti sur Elion la dernière fois. Et le jeu 22. Le serveur déconne à balle. Tranquille, tu t'éclates sur ton jeu? Ouais, ça va, ouais, il est très très sympa, très très fun. Bon, sauf des fois où quand il y en a qui campent un camion, mais sinon ça va. Alors, ça, mec, c'était absolument masterclass. Ah, oh, vraiment, ce que j'ai fait, c'était ouais, c'est beau. Au-dessus du mur, oh, c'est très très beau.
T'étais beaucoup plus beau que la totalité des personnes avec qui j'ai oui, c'est dans ma vie. C'est tout à fait ça. C'est un, en fait, c'est un jeu de balle aux prisonniers. En fait, ils se sont inspirés de ça. Et qui n'a d'ailleurs au passage rien à voir avec la règle du balle aux prisonniers. Aucun rapport. Bah ouais, mais bon, quand tu c'est ça en soi. C'est ils le décrivent comme ça, donc. Attention, Orient. Heureux de vieux heureux. Mais voilà. Du coup là sur Steam il est encore gratuit 7 jours je crois. Et après sinon il est dans le Game Pass également. Voilà, j'ai de peur. Je viens de tomber dans le vide en esquivant la balle de la mer. C'est plutôt une humiliation flagrante. Oh putain. Parallèle d'avoir des odeurs d'animaux chez moi, alors que je n'ai pas d'animaux. Quoi? Merde. Ça fait. Oui, c'est une blague, messieurs, dames. Ah, tu. Moi, j'ai pris ça au mot, hein. Ah, Lilian. Comment t'as fait pour pas le toucher Mais je sais pas ce qu'il a fait, c'est. Il a cheaté. C'est pas possible. Il a juste sorti. Alors, les gars. Oh, l'enfoiré. Les gars. Alors, je viens. Vas-y, passe-moi la balle dès que tu peux. Ils sont foutus. Le tir, c'est visé automatique. Ils sont foutus, ouais, mec. Quand le joueur est à proximité ou sinon, non. Luntic. Luntic, regarde où je suis. Ouais, attends, je suis. Là, c'est masterclass. Hein. Et donc, après, t'as des ballons normal. Et t'as normal. Des ballons spéciaux, comme là, c'est le multi-ballon. Ah ouais, c'est pas ouf, ça. C'est pas ouf ça, Ikelia. Ouais. Je suis tout seul par contre, Orion là. Okay. Oh, j'étais bien sur ma soucoupe. Bien joué. Ah, le fail du joueur français. Oh salaud! Oh salaud! GG. Oh, yeah, on s'est fait littéralement rouler dessus. Rouler dessus. Un ami qui se cache sur une plateforme. Pardon. J'étais pas sur une plateforme, j'étais sur une soucoupe volante, s'il te plaît, mon cher. Donc je pense que tu as des petits problèmes rétiniens. Voilà, faut arrêter de tirer dessus, hein, je t'ai dit. Hein. Faut pas tirer sur l'ambulance. Hein. Faut pas tirer sur l'ambulance. Écoute, t'appelles ça comme tu veux. Hein. Non, il faut que tu restes appuyé. Ouais, non, mais j'avais pas vu que c'était toi en fait, je crois que c'était une balle. En perroquet mal, il va mieux. Ouais, merci de demander, t'inquiète, il va très bien. C'est vrai que j'en avais parlé dans le Discord de le LP. T'étais en train de me demander comment tu savais ça. Ils sont potents en gameplay, hein, tu fais rien d'autre, je suis habitué d'avoir des pièces de soutien. Ouais, grave, je testerai. Ballon, en fait. Je pense que je testerai quand même demain. On doit aussi faire un concours pour faire gagner des clés. Je vais voir pour le DTL, mais je pense pas y jouer ce soir. Ouais, bah DDL-le et puis on y jouera là, une prochaine fois. Ouais. Vas-y. Putain. Allez. J'ai fait une impro. Pas drôle. En vrai, il est hyper fun. Je pense que... Oh bâtard, bâtard, la balle elle est venue tellement lentement. J'ai essayé de l'attraper et en fait mon sort c'est fini quand elle m'a touché. Ouais, bah en fait vu que je suis concentré à regarder le chat en même temps, c'est vrai que c'est un peu... Oh les nions. Oh Chrome, il m'a lancé tous les ballons qu'il y a sur cette putain de planète. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu emporté, je m'excuse auprès de mon chat et du chat de mes amis, j'ai un problème de nervosité sur ce genre de jeu. Pourquoi tu fuis, Nitro Fanatique? Pourquoi tu fuis? Oh yeah! Orion, oh, tu viens de m'aider, je suis tout seul. Je me fais gambande par les deux à chaque fois. Je sais que c'est agréable, mais j'aimerais bien que ce soit fait avec plus d'enthousiasme. Oh, yeah, oh putain. Oh le viol. C'est ça. Oh yeah! Ils vont gagner, Orion. Bah, j'ai cru comprendre, ouais.
Eh bien, ouais, je... On a eu peur. Salut à ceux qui nous rejoignent. À des parties comme ça, je dis. GG. Yeah, merci, merci. Vous avez le futur joueur professionnel devant vous de ce jeu. Moi. Non. Oh, Lilian, t'es en négatif en ratio. Je suis plus dans la partie là. Ah, mec, t'es à 0,91 en ratio. Bah, donc, je suis pas en négatif. Ah, bah, trop heureux d'être sur le live du. Bah, non, bah, non. En négatif, j'aurais été à moins quelque chose. Fais un effort. Le ratio, c'est 1. C'est 1 kill, 1 mort. Non, mais en vrai, les gars, c'est un honneur pour moi de vous avoir sur le live. C'est que t'es plus mauvais que bon. Donc du coup, Nico, tu te rappelles à quel point genre je peux te ban de partout en fait? Ah non, tu peux pas me ban. Zerb est meilleur que toi à Minecraft. Oh merde. Mais pas en PvP. Le mec il l'attaque sur la seule chose qui peut l'attaquer. Si, il est meilleur que toi sur tout. Sur tout? Non. Ouais. En build, oui, mais classe. Zerb, il a mal parlé de ta mère d'ailleurs la dernière fois, Nitro. En espérant que tu vas te souvenir de nous quand tu seras parce qu'il n'en a pas. T'inquiète, David. T'inquiète. Quoi? T'inquiète, t'inquiète. Ah, ma carte préférée. Je testerai qu'il y a. Je testerai, je pense, demain. Je vais voir ça. Je vais essayer de me prendre une petite heure ou deux. Pour ah. Les beaux boss. Ouais. Mais tout ce que je dis à Uni ne peut être que beau. Ouin ouin le violon. Là là, oh là 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 là. Oh, je compte la Gay Pride là. Ah mais cette map là, on va les démonter. Ah ouais, oh t'as fait tomber le ballon. Tu vas nous démonter hein, je confirme. Voilà, hop là, tu nous démontes hein. Bah tu m'as tiré dans le dos. Oh merde de vieux. Ah oh, non, tu vas faire 10 squats les gars là. Ah c'est un enfoiré de juste. Je savais pas trop d'où ça venait, je savais pas trop s'il y en avait une qui partait de l'autre côté. J'ai pas là avant 17h, je vais faire. Je pense pas que je streamerai le jeu pour le coup. Si je joue, j'aurai tranquille off stream. Tester ça. Oh merci. Et bah Nitro va tout simplement te faire voir chez les Grecs. Une allez, très belle civilisation. Il faut savoir qu'avant d'être en déficit. Tu sais ce que c'est le point commun entre un régime financier et l'Europe? Non. Dans les deux cas, ça nique la Grèce. Salut. Alors quoi sur lui? Devius, t'inquiète. Hein, en gros, on est dans la merde. Je l'ai fait à la fin de la game. C'est vraiment pas que quelqu'un penserait un jour à faire celui-ci. Oh! Tu as vu ce contre? C'était magnifique, Orion. Tire sur mon mate. Ah, bah dommage. Ah, je suis revenu. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Mais en fait, je suis trop concentré avec. Oh. En fait, cette map, on la dose. Ça va, c'est acté, tu vois. Rien. Bah merde, c'est pas possible, on est mauvais ce soir là, je suis le cancer de cette équipe. Non, non, là c'était moi, là je te jure c'était moi. En fait, je suis occupé à parler à mon chef, et donc du coup je fais nappe. Allez, allez, on se mais concentre. Mais en même temps, il y a mon chat qui vient de payer 4000 points pour que je fasse 10 squats. Du coup, je suis sous le choc. Oh merde, putain. Mais c'est pas gentil. Bah en fait y'a pas assez d'ennemis donc je. Ah c'est bon. Oui. Ça c'est nul. Ça c'est nul, je le valide pas ce truc. Mec, tu m'as éclaté contre le béton. Ouais.
C'est, genre, où est le respect, quoi? Oh non, il s'est oh, le mec. Comme ça. Aide-moi, Orion. Putain, ouais. Dégage, je lis trop. Vas-y, lance-le dans le vide avec A. Ah, faut que t'appuies sur A pour donner de l'effet. A ou E pour quand tu tires pour donner de l'effet. Ah, ok. A, premier contrat, deuxième semaine là, j'ai enfin un premier contrat. Ah, c'est cool! C'est cool ça! Bah, ça va te faire du bien. Bah, écoute, moi toujours infographiste, donc toujours pauvre. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Ah, il m'a fisté. Les gars, c'est pas parce que je vous ai dit que vous me déconcentriez et que vous pouvez arrêter de parler dans le chat. Hein. Continuez. Hein. Merde, j'ai fait n'importe. Oh là là, le dommage que je viens de mettre. C'était criminel. Faut bien que tu gagnes, non? Mais t'inquiète, je vais gagner, je suis avec Darka. Il vient de me tuer avec mon mate. Non, le lance pas! Non! Il a shooté Orion. Orion a shooté du trop magnifique. Oh! Non, t'inquiète, je me prépare, arrête tes squats. Attends, je vais annuler l'équipe pendant ce temps-là. Tue-le, il est en cage. Au revoir, Aurélien. Mais non. J'espère au moment un stage en studio de jeux vidéo pour savoir vers quoi me tourner un métier. Grave. Bah de ouf en fait. De ouf. Bah en ce moment c'est galère en fait. J'ai pas mal de gens en fait qui viennent me voir qui me disent que c'est galère au niveau des stages tout ça. Et bah du coup c'est compliqué. Tiens, excuse-moi. Non. Oh saloperie. Non mais là les gars, à un moment acharnement. On est des grosses. Non mais c'est bien, ça m'apprend à récupérer les balles. Continuez comme ça, j'aime bien. J'ai peur, t'inquiète. Ah putain. Du coup je vais te ban de la chaîne pendant les 10 squats de vieux. On est en train de se faire détruire, Namerk. Non, je suis en train de me faire fister. Non, c'est moi, ça. Hop, vas-y. Vas-y, éclate-le. Allez, hop. Non, mais c'est moi, ça. Trou de balle. Ah, putain, enfin, tu viens, moi. Voilà. Non, j'ai oublié. Ah, merde. T'inquiète, je vais récupérer. Oh, merde. J'ai apprécié qu'on ait des streams pour vraiment servir pour avoir des stages de plus tard en jeu vidéo. Ouais, alors ça, méfie-toi, hein, parce que une année de stream, ouais, t'auras une connaissance, mais enfin, d'un point de vue stage et tout, les gens s'en foutent. Un hein, streamer, c'est tellement devenu accessible, on va pas se mentir. Eh non, fallait tirer avant. Non, mais j'ai fait nimp, je m'embrouille dans les touches. Oh là là. Oh là 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 là. Après, que le stream te serve pour avoir des stages en jeu vidéo, honnêtement, j'ai des doutes. Je sais pas qui t'a dit ça, mais... Vas-y, go. Oui, j'ai fait tomber Orion. Tu le vite. Ah merde, je suis tombé. Vas-y, c'est le prochain point. Go. Oui. Yes. Bien joué. Bien joué. On est remonté du fond de la game. Putain, nous menons 2-5. 7-6 ont gagné. Criminel. De quoi les gars, j'abuse. Regardez, je viens de gagner là. Avec Darkala, il va 2, on est invincible. GG Dark.
Bon, je vais faire les discotes, relancez pas une partie tout de suite, s'il vous plaît, les gars, je dois faire discotes. Moi je danse. A tout de suite, j'enlève le casque. Hein. Hey, c'est pas mal. Tout de suite. Je suis quand même 6ème streamer sur ce jeu, les gens. Juste derrière AlphaCast, quand même. C'est beau, c'est beau. Ils vont dire que je fais 10 squats en me mettant sur la chaîne. Du coup, attendez, pour que vous me voyez. Alors écoute, voilà, c'est. Vous avez les goats. Les goats du game. Attends, je t'envoie. Les gars, franchement, même si j'ai pas beaucoup de vues, je trouve qu'un top 6 français comme ça, c'est pas mal. Eh bah, félicitations à Orion. Du coup, on va mettre la chaise dans l'autre sens. C'est peut-être pour ça que j'ai des vues, en fait. C'est très bien. Mec, c'est ouf. Attends, mais à mon avis, je vais passer derrière, là. Non, je suis encore 6ème, en fait. Bon, sauf que pour dépasser Alpha, il faudrait que je fasse plus de 3100 vues. C'est un peu chaud. Alors, je vous invite à faire du partage dans tous les sens. Voilà. C'est pas mal. On a Loclear, le joueur du grenier, AlphaCast, Gotaga et Orion. C'est le top 5 français. Top 6. Je suis heureux, les BG. Je suis devant Antoine Daniel. Non, abuse pas non plus. Le mec a 7000 vues quand même. Il y a pas mal de gens. Je suis au moins sur la page d'accueil. Je me vois dans la troisième lignée de la page d'accueil. C'est beau. Mais c'est parce que t'es follow à toi-même en fait. Ouais. Exactement. Moi aussi j'ai eu. Tu peux pas te follow toi-même. Non, t'es auto-follow entre guillemets. Baisse bien les genoux, tu crois, on voit pas. Eh hey mec, je suis vraiment descendu. Tu vas avoir le cul de JujuFitCat. Je connais pas. Ah. Tu connais pas JujuFitCat? Non. Bah, c'est la meuf de Thibaut InShape. Ah oui, bon bah t'aurais dit la meuf de Thibaut InShape. Voilà. Mais ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai eu une montée de vue d'un coup. C'est vu que je suis passé. En fait, après, c'est 18 personnes, 17, 13, et ça chute, hein. Pas beaucoup de gens qui regardent le jeu pour le coup. Mais les gens, il faut qu'ils découvrent les bons jeux et ce jeu est très bon. Et là, ce soir, on est avec Orion Live et Namerk TV voilà. Sur Knockout City pour la web TV de Sin City Life. Bon, on fait la dernière et puis on va faire des squats ce soir. Et puis on décale sur. Ouais, parce que je m'en voudrais en fait de voler la vedette AlphaCast, donc on va. Le mec raconte n'importe quoi ce soir, c'est genre n'importe quoi. C'est l'hécatombe là. C'est l'hécatombe, mais je pense que c'est pour ça, hein. C'est pour ça là, j'ai 43 viewers actuellement, c'est... Ah oui. Je suis même étonné que Squeezie tout ça ne le stream pas le jeu. Ils ont fait une vidéo dessus. Ouais mais là pour le coup il y a que Gotaga, Antoine Daniel, Loclear, joueur du grenier et AlphaCast. Les goats quoi, tu vois. Voilà, je suis... Gotaga ça m'étonne pas. C'est ça. Après on est dimanche, Squeezie il a rarement le dimanche. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Merci pour le abord. Ah ouais, mais t'en as fait un deuxième. C'est pas mal. Écoute. Je te sens fébrile. D'ailleurs, je vais aller directement me la péter auprès de mon Discord. Ouais, top 6 français sur Knockout. Je vais devoir aller créer du jus de pomme. City, les goats, quoi. Allez, c'est parti, je relance. Et oui, tout à fait, nous repartons en game, les amis. Nous repartons sur ces games incroyables. Voilà. Tout à fait. Attends 30 secondes que je puisse t'en remettre un. Quoi donc, de 10 squats? T'as assez de points pour faire ça? Ah non, de à boire. Ok. Ah, t'es chiant, je vais vraiment devoir aller faire du jus de pomme. Quoi? Comment? Équipe incomplète. Il est vieux s'il arrête pas de me faire boire. Heureusement que c'est pas de la vodka dans ma bouteille. Conseil pour la bagarre. Protégez-vous et allez, c'est parti. Et c'est le ballon sniper, les amis. Le ballon sniper qui, je rappelle, est un ballon qui te snipe. La vie est bien faite. Que les ballons ne changent pas. L'équipe en fait. DBG. Genre cette carte-là est attribuée au ballon sniper. Je sais pas si vous avez remarqué. Merci Nitro pour le GG. Double KO par équipe. Manche une. Oh mon perso, il a changé.
que tu peux créer 3 sets de personnages sur ce jeu. Ok. Oh ah, il en a rattrapé un. Je pouvais pas rattraper les deux. Oh putain. Ah par contre là ta balle était super rapide, vraiment. J'ai tout donné sur mon clic bouton, c'était pas possible. Difficile à proximité de... Rien. Arrête, arrête. Pourquoi tant de violence? Allez, bonne nuit. Orient, avec les stats et tout ça. On appelle communément dans le milieu une légère fessée talquée sur mes jolies petites fesses. Ce qui est assez douloureux. Hop là. Orient qui vient de me mettre un coup dans les chemures. Tiens, Orient, prends ça. Prends ça. Faut qu'on se fasse un rassemblement là. Avengers, rassemblement. Et Orion, t'es... Non... Non, non, là, c'est toi à 100%, là. C'est pas la faute d'Orion, là. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais pas vu que Orion était en train de se battre, en fait. Mais moi, depuis tout à l'heure, moi, je vais au contact, moi. Ah, oui, mais... Toi, moi, tu te planques. Moi non, non, joke. Deux joke. Non, deux joke. Joke. Hop, allez, on y va. Oh. On attrape la baballe légendaire. Cette baballe qui, je le rappelle... une balle officielle du tournoi de Knockout. Oh, je vois pas la balle, je vois pas la balle. Non, ça c'était... Non, fait... Orion non ça c'était... Vie. Non, ça c'était over nul en fait. Je veux dire... Non, non, je veux dire, il y a aucune... On t'a eu, point. Non, mais je veux dire, il y a aucune fierté. Non. J'ai pris le tutube. Non, mais je veux dire, il y a aucune fierté, les gars, sur un coup comme ça, c'est juste pas possible. Alors, je tiens à dire que j'ai arrêté une balle de sniper. Et là, je l'ai pas du tout arrêté. Ouais, j'ai fait une imp là, la pite, j'ai fait une... Arrête de mourir, c'est pas le but du jeu. Mais je fais pas que mourir, les mecs. Oh, saloperie. Faire pas, Orion. T'as mec, comment ça se... Non, mais comment ça tu flingues des gens qui sont tranquilles en train de faire du delta plane, je veux dire. Mec, je fais mon sport, tu me flingues pendant que je fais mon sport. Non, normalement, je devrais l'avoir. Ah merde. Non, Orion. Oui, oui, incroyable. Merci, merci beaucoup, merci, merci. Arrêtez les claquements, c'est bon, ça me gêne. Salut à toi, KidShadow45. J'espère que tu vas bien, ouais, le jeu est cool, vous êtes chaud ce soir. Mais oui, on est chaud ce soir. Voilà, on est dans le top 6 français. Ouais, ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. D'ailleurs, je vais dire merci aux viewers qui sont dessus. Je vais surtout dire merci aux gros streamers qui ne sont pas sur Knockout, qui me permettent d'être... d'être dans le top 6 juste derrière AlphaCast avec 40 vues, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est totalement ridicule par rapport à leur audience, mais... N'importe quoi. Ah putain... Le focus, il a pris sur Lilian alors qu'il était derrière un grillage, quand même. Ah non, mais les gars, non. J'avais un petit problème de main. J'étais là, eh. C'était pas possible. Ok, bon, allez, on y va, on est motivé, c'est parti. Une petite... Non, toi je te... Non, mais ouais, mais non, mais c'était sûr. Non, mais non. Mec, t'es un salaud, sérieux. Tu sais, on a ras le cul de la baballe, il joue plus avec la baballe, tu vois, c'est devenu à la sauvage. Allez, mange. Allez, bonne nuit. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens, petit eucalyptus. Eh oui, dans le dos, tu sais faire que ça. Hop là, bonne nuit. Qui, moi? Avec la marque depuis tout à l'heure, on est en train de se faire des coups de pute, on se tape dans le dos, c'est n'importe quoi. La mer, où es-tu? Je vais t'attraper.
Tu peux te cacher, mais moi je te trouverai. Oh, mais je l'ai, je fais clic droit, putain. Oh non! Tu n'as pas passé. Oh non, mais là je pouvais pas l'arrêter en fait. C'est genre impossible. Ah, les boulets de canon, je te jure. Mais c'est n'importe quoi. Mais comment ça, t'as pas one shot? Ah ouais. Oh. Ouais. Waouh, les mecs, vous êtes sérieux à deux quoi. Oh les saloperies. Donc oui, Shadow, il est super ce jeu. Franchement, n'hésite pas. Il y a un truc de test en fait sur sur Steam. Profite. Franchement, profite. Le jeu est vraiment cool. On l'a pris en sandwich. Non, ça c'est pas de l'eau. Ah mais merde, mais... Ah oui, non, c'est non, pas vu. Mais Orion, il est à l'autre bout de la map, putain. Je suis dégoûté, je t'en fais stress avec eux. Je vais baiser. Oh merde, putain. Mais comment tu fais pour les arrêter? Le truc, il part, il t'explose en fait. Oh, ce move de l'espace. Ah, tu vois, j'ai eu raison. J'ai eu raison facile. Ah oui, bah oui, bah oui. Avec Darka, on forme une bonne... T'es tombé, bon Nitro, ou pas? Non, non, non. Je peux rien faire. Orion, viens m'aider! Mais je te cherche en fait! Putain, c'est horrible! Voilà! Wow. Alors? Salut Bel Air, ça va ou quoi? Bienvenue sur le stream, Bel Air. Bienvenue sur le stream à ceux qui nous rejoignent. Vous pouvez nous rejoindre en partie. Je vous rappelle, on va faire encore quelques parties de Knockout City. Allez. Ouais, j'ai fait n'importe là. Oh, ça me saoule, ça prend pas le coup. Oh merde, bien joué, bien joué, bien joué. J'ai mal géré mon move, j'ai mal géré ma sortie. Ah là, genre, je suis désolé. Les gars, quoi, on est à 4-3, tranquille. Non, mais c'est juste les trucs du focus. Ça marche pas de ouf, des fois. Oh salaud! Oh non! C'est Orion qui prend ce qu'on appelle plus communément une fessée dans le milieu. Ah! Nitro! Je tombe dans le vide parce que je suis une merde. C'est une merde, Orion, il s'est fait peur. Il s'est fait dessus. T'inquiète. Orion va pas mourir tout seul, attends-moi. Oh GG. Orion, GG. GG, good game! Mais ma balle elle est pas partie, c'est quoi ce bug? Ça déteste cette balle. Ok, bien joué Nitro, là c'est. On a besoin de gagner. Là ils vont gagner probablement parce qu'ils sont spécialistes de la remontada. Namer, faut qu'on reste ensemble. Namer, restons ensemble, j'arrive vers toi. T'inquiète. T'as une balle? Non. Mais je m'amuse viens avec eux. Moi. Viens Namer, viens avec moi. Attends Orion hein. Orion. Si j'arrive. Ils sont... Et c'est la partie gagnée. Bien ouais. Félicitations. GG à nous. Bravo. GG à nous. Bravo. GG à Nitro et à Orion. C'est une belle game. Nitro, je me suis... les feux d'artifice. Nitro, je me suis fait des pâtes. Est-ce que tu pourrais me filer un peu de sel là? Ouh. Hein Nitro? Ouais, tu veux que je te file du sel si tu veux sur Call of, Minecraft.
Il y a plein de jeux. C'est la victoire ce soir et malheureusement des KDA qui restent quand même très classiques. Félicitations à tout le monde. Est-ce que vous voulez qu'on décale sur Valheim ou est-ce que vous voulez qu'on négatif. Ah moi comme vous voulez, hein. je suis... Arrête de gagner, ils vont plus vouloir jouer avec toi. Bon, on va dire qu'on en lance une dernière et puis après on décale. 23h41, ça nous fait du minuit. À ta sauce. Comme vous voulez. Ah non, mais moi je propose, après nous prenons... J'ai entendu Orion parler de Valheim tout à l'heure, c'est pour ça. Sinon, autre chose, hein, si vous préférez autre chose. C'est parce que je sais ce qui te fait vibrer maintenant, c'est pour ça, tu vois. Moi, il y a plein de choses qui me font vibrer. Est-ce que c'est bien le marché aux puces? Ah putain, j'ai compris autre chose. Ah merde. Non, pas le marché aux putes. Ah, c'est... Et c'est le ban. C'est le ban. C'est le ban, tout à fait. Voilà, c'était beau. C'est une belle carrière, hein, écoute. Hein. Mais attends, c'est une blague. Attends, mes parents ils me disent c'est trop bien le marché aux puces. Là, je regarde sur internet. Ah non, en fait, ça a l'air d'être stylé. Oh, j'y vais, en fait. C'était une belle carrière, hein, Darka, hein, franchement. Pourquoi, un moment, une belle carrière d'une semaine. Hein, cool. Alors, idem, j'ai compris autre chose, on me dit sur le chat. Hein. C'est quoi? Je sais pas, par rapport à quelque chose qui était dit. Bon, Nitro, si tu veux bien jouer, s'il te plaît. Hein? Attends. Attends. Sur la game d'avant, j'ai été meilleur que toi en termes de ration. Bon, je vais l'encastrer. Ah, dans pour le marché au plus. Ouais. Bon, Orion, ça va attends, être Orion, ça. Orion, c'est Orion, sur, parce que une game sur 27 ennemis, c'est un peu au-dessus du lot et un peu au-dessus de moi. Que voilà, c'est bon. Il me fait perdre une balle parce que je peux lui faire la passe et il passe derrière un mur. Voilà. Ah non, c'est toi, tu veux faire la passe à quelqu'un qui est pas dispo pour la passe. Pardon? J'ai absolument rien compris de ce qui s'est passé. Je me suis fait éjecter avec Orion. Moi aussi, ouais. Je me bats contre la boule en fait, là, depuis tout à l'heure. Boule 1, Orion 0. Mais non, espèce d'abruti. Du coup, tu galérais, je voulais l'occuper un peu. Du coup, tu as récupéré la balle. Incroyable, franchement. What? Oh GG, franchement GG. Big GG à toi. Ok. Oh là là, Lilian, t'as éclaté, gros! Bah ouais, bande de bâtards, vous étiez deux. J'ai très envie d'exploser ma caméra et de détruire mon écran parce que je suis un très gros rageux. Mais je ne le ferai pas parce que. Non, je fais de la merde, ça a parlé de Valheim donc là je suis plus concentré. Faut pas dire des choses comme ça, les gens, tu vois. Ça m'émoustille après, tu vois. Non, Lilian! T'as pas vu une balle passer à 1 cm de toi là? Si, si. Oh là là, je suis dégueu. Mais l'autre il essaye de rentrer dedans, il va se prendre 3 balles dans la bouche. Oh, faut prendre la balle hein. Fais une passe. Non, ma merde. Vas-y. C'est un tricheur. GG. Orion. Bravo. Non, moi j'accepte la défaite hein. Moi je l'accepte pas. Bon, on s'en refait une petite. Bah de toute façon la partie est pas terminée encore. Ouais c'est vrai. Il s'avoue déjà vaincu, c'est pour ça. Tiens, vas-y. Non, Orion. Ah merde, c'était toi, pardon. Attends pour moi, j'ai pas encore l'habitude. Ça c'était traître ça. Oh GG.
tu sais que là j'étais en train de te rejoindre, là j'étais chaud. Hein. Je sais pas ce que t'as. Ah, t'as tiré sur une natique. Ok. Oh. Le taunt attaque. Non, le but à la base c'est de se toucher avec un ballon. Ah bon? Il n'y a plus de ballon. Tire, tire. Non, charge pas. Fais une passe, fais une passe, fais une passe, fais une passe. Faut faire des passes, Orion, quand on y a côté, faut qu'on fasse plein de passes. Voilà, bam. Charge, tu es armé. Finis-le. Finis-le, t'es prêt? Ah, oh, salaud. Oh, yeah. Impossible à arrêter quand tu la charges, putain, c'est ouf. Ah, j'ai oublié, putain. Lâche ton meilleur hit quand tu veux. Oh non, non. Oh, non. Il s'est sauvé dans le mur et il m'a shooté comme ça, putain, l'enfoiré. Oh. Putain, bien, wesh. Je leur laisse un peu. Alors là, vraiment, Lilian, ce que tu m'as mis, c'est n'importe quoi. L'autofocus, comment t'as tiré. En vrai, mets en boule. En fait, on appelle ça le skill. C'est une douille, ouais. Oh salaud, je t'avais pas vu. Oh bien joué, bien joué. Mec, je t'ai fait une récep, je sais même pas comment j'ai fait. Vas-y, vas-y. Voilà. Yes. Oh, les enfoirés. Ils gagnent avant la fin du compteur. Je propose qu'on arrête le massacre ici. C'était bien. Ouais. J'ai envie de jouer avec vous. Je déteste ce jeu. Grave. Pour la 100e fois d'affilée, le MVP ne bouge jamais. C'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment... Namerk, défends-toi. Je trouve ça vraiment fou. Comment te dire? On va décaler sur pas un de ma faute si tu joues pas l'équipe et que tu joues seul. Voilà. Je trouve ça juste fabuleux comme jeu. J'en ai 18. Bonne journée. Clairement. Moi, quand je joue avec Darka, ça se passe très bien. Voilà, ça se passe encore mieux. Parce qu'on éclate Darka. Ta caméra, elle est floue. Darka. Ouais, je sais, je cherche à mettre à jour. Mon niveau. Bon, du coup, cette bande de rageux, ils ont voulu arrêter de jouer. Bah, en fait, non. Non, on avait dit qu'on décalait sur Valheim. Voilà. C'est une blague. Ouais, mais on est rageux quand même. Bien joué, merci à Yunil. Non, mais je pense que voilà, je pense qu'il y avait un skill certain sur le jeu, tu vois. Ouais, il n'y a pas de mot de passe. Et vous pouvez join, c'est lancé. Hop. Comment on quitte ce foutu jeu? Alt F4. Alt F4. Darka et moi, on a le même raccourci. Alt F4. En vrai, on aurait pu partir sur un Gulf with your fam, sinon. Je suis moyennement chaud, là. Je t'avoue. Ouais, la même. Ouais, c'est parce que vous savez pas ce qui est bon. Bah, j'en ai un peu marre de vous humilier sur ce jeu.
Ah non, moi perso, j'en ai marre de perdre, mais Le mec, on a fait qu'une partie, il pense qu'il nous humilie à chaque fois. Oh, on en a fait au moins 14. Sur les 14 parties, j'ai toujours été derrière Nitro et ça m'agace assez d'ailleurs. Nitro, il est chiant parce qu'il est bon sur tous les jeux auxquels je joue avec lui. C'est énervant, c'est des choses comme ça. Hein. Un peu facile pour toi, mais bon. Ouais, bah ouais, c'était trop facile de jouer. Tiens, d'ailleurs, je vais faire un truc. Ah, Valheim. Valheim. La vie d'un viking. Je rappelle, si vous avez Valheim, vous pouvez nous rejoindre. Mais tout à fait. Il y a du PVP sur Valheim ? Oui. Non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. J'ai de l'œil de l'ignorance. Ça me fait trop rire ce jeu. Pourquoi ? Il est génial ? Oh, moi, ce qui me fait rire, c'est les petites particules de vent à la genre Wii Sport ou quand tu tires à l'arc là. Hey, salut Slider, t'arrives au bon moment. Slider, il me stalk en fait. Tu sais, regarde quand je suis sur Valheim, je suis sûr qu'il s'est mis un petit repère. D'ailleurs. Ouais, putain, c'est cool. Et puis on arrive sur Valheim. On va changer le titre du coup. Attends, j'aime bien faire des. D'ailleurs, vous avez le nouveau planning ou pas encore ? Oui. Ah oui. Ah bah, il est où ? On joue à Barbie demain. Qu'on le sort. Dans ton cul, Nitro, dans ton cul. Attends, lundi. Non, c'est pas bon. Non, on l'a pas posté, je crois, encore le planning. Le planning, on va le. Faut qu'on poste. Voilà. Inch'Allah. En gros, on fait du Fortnite toute la semaine, quoi. Non. Non. Ah. Non, non. Tu sais quoi, j'essayais de dash avec mon viking en fait, comme dans Knockout. Ah, faut que j'arrête là. Ah, mais merde, je change le titre, mais pas le jeu. J'ai fait exactement la même connerie que toi. Bande de noobs. Nous revoilà, mais on a la live. On t'a rien demandé. Slider, si tu veux venir, tu connais, hein, y a pas de soucis, hein, tu viens, y a pas de problème. Je vous rappelle que les games, on peut être jusqu'à 10 joueurs. Donc profitez-en. Sauf sur celle d'Orion où c'est bridé à 4 parce que dès qu'on monte au-dessus, ça bug. Non, je crois pas. Bah, te rappelle pas, on n'a pas réussi à faire venir plus de joueurs. Ouais, je pensais. Non, c'était un bug en fait. C'est, non, mais c'est parce qu'il devait relancer le truc. Non, c'était un bug, c'est juste, je sais pas pourquoi, quand il m'avait rajouté un ami, ça le comptait pas. Je vous présente le village des semi-croustillants. N'est-ce pas ? On est d'accord, le planning qu'on a fait, il est. C'est bon, on va pas le changer là. Bah, non, mais c'est vous me dites, hein. Moi j'ai fait un planning comme ça ce matin, 8h. Ça me convient bien après. Ça te convient ? Non, mais c'est pour savoir si je peux vite fait le montrer en live. Ah, mais tu peux, hein. D'ailleurs, je vais faire la même, je crois. Lilian fait la même aussi. Du coup, voilà le planning, les gars. Du coup, demain soir, donc lundi, on commence par Human Fall Flat. Et ensuite, on décale sur Ark. Okay. Mardi, ça sera du Uzu World. Voilà, en première pareil, partie. Je vous montre deuxième le partie. Moi, je l'ai pas. Dead. Tu l'as pas eu ? Si, je te l'ai envoyé. Tiens, je te le renvoie. Mercredi, Overcooked 2. Et suivi de. Bah, bien sûr. Captain. Ah putain ! Ah putain ! Knockout City, voilà. J'ai eu du mal à le dire. Knockout City, jeu de balle aux prisonniers revisités avec un maximum de pantoufles. Et effectivement, c'est pas Valheim où quand on s'éloigne, ça bug, c'est Ark. Ark, si une personne héberge, on est obligé de rester près de lui. Non, mais faut pas héberger, on va sur un serveur en ligne. Non, mais moi je peux créer un serveur, hein, ça me prend pas longtemps, j'en avais déjà créé plusieurs fois. Je peux créer un serveur s'il y a besoin. Ouais, mais c'est vachement chiant. Non. Parce que vous n'allez pas faire une session normale, autant faire des multiplicateurs, non ? Je peux le faire. Bah, en fait, je peux le paramétrer comme je veux. Hein. Ark, c'est assez simple en fait pour créer les serveurs. Vas-y, je te laisse, Namer, que tu es en train de présenter le planning. Oh, pas de soucis, sinon je continue en mute, hein, t'inquiète. Non, vas-y, bah, comme ça sert aux autres streams. Ok. Du coup, jeudi, Gartic Fun en première partie, suivi de Valheim. Vendredi, Age of Empire 2. Suivi du tournoi Rocket League qu'on a annulé vendredi dernier, mais cette fois-ci on l'annulera pas et je vais envoyer tout ce qu'il faut dès demain sur le Discord pour que vous puissiez inscrire vos équipes. Donc on fera du 3v3, voilà, ou du 2v2, on verra.
samedi, donc libre antenne sur les souvenirs du jeu vidéo, c'est ça, tu me coupes. Ouais, ça vous va ou pas? C'est parfait. Ça non, peut pas pour moi. Pourquoi? Ah. Moi je voulais parler d'un truc genre Eric Zemmour ou un truc comme ça. Et de la vivisection des lamentins du sud albinos autistes, c'est ça? Ouais, je comprends. Ouais, bien l'emploi du temps. Ah, le tournoi Rocket League vendredi. L'histoire du jeu vidéo, oui, très bonne idée. Masterclass, allez. Bah, en fait, en fait, en début de soirée, donc la plupart du temps, c'est des jeux, t'es pas obligé de jouer 3 heures avec. Mais on joue du coup, je comprends pas. Hein? Des c'est quoi, c'est on joue ou on parle de l'histoire? Comment ça? Non, on parle de l'histoire, mais je parlais pour les autres jours. Human Fall Flat, Yuzu World, Overcooked 2, Gartic Fun, donc ça, c'est des jeux qui peuvent se faire relativement vite. Age of Empire 2, ça peut dépasser un petit peu, mais on fera en sorte que ça dépasse pas. Je pense que ça peut permettre de faire une ou deux parties. Et puis voilà, comme ça nous laisse un créneau relativement large. J'ai mis Sea of Thieves samedi parce que du coup, je pense que c'est un jeu où on peut se perdre et jouer assez longtemps. Darwin Project, ça sera de la découverte, je pense, pour tous, en fait. Personne n'y a joué. Non. Voilà. Non. Knockout City forcément. Grounded, donc c'est un jeu de survie. Ark pareil. Valheim, bon, vous le connaissez. Et puis voilà, je pense que ça peut être relativement cool. Et puis dimanche, le Golf with Your Friends. Voilà. Et donc du coup, on rappelle que tous ces jeux, la majorité en tout cas, sont sur le Game Pass que vous pouvez avoir pour ceux qui ne l'ont pas actuellement et qui n'ont jamais souscrit un abonnement à 1€ pour 3 mois. C'est ça. Donc n'hésitez pas. Voilà. Tous les jeux sont sur le Game Pass, à l'exception de Valheim. Valheim qui coûte pas très cher. Et Darwin Project, c'est un jeu gratuit disponible sur Steam. Voilà. Sinon, tous les autres. Et Rocket League est gratuit, bien évidemment. Sinon, toutes les autres, vous les trouvez sur le Game Pass. Voilà. Donc, en gros, là, la semaine, si vous voulez faire toute la semaine, ça vous revient à 17 balles. Parce que du coup, il y a le Game Pass à 1€ et Valheim 16€. Voilà. Pour jouer à tout ça. Voilà. Ce qui est plutôt raisonnable en termes de divertissement de jeu vidéo. Bah, il y a de la réflexion. Attention, putain, je kiffe ta porte, mec. Franchement, et je me sens tellement. Rocket League, on s'est fait arnaquer la semaine dernière. Ouais, mais du coup, vous le remets, t'inquiète. Ce qui est Ayan Paul, tu aimes ma porte? Alors, c'est pas que vous êtes fait arnaquer. Pour expliquer, il y a eu effectivement des événements. Donc, faut pas oublier que là, la Web TV qu'on fait. Même si à terme, je pense, enfin j'espère hein, qu'on continuera à streamer de temps en temps ensemble. Là, c'est la Web TV pour Sin City. Le truc, c'est que Yuda, et c'est tout à son honneur d'avoir voulu faire ça, a lancé un serveur Rust le même soir que Rocket League. Perso, on n'avait pas énormément de monde, et en plus de ça, ça a permis de pas faire de l'ombre entre guillemets au projet pour ceux qui auraient voulu participer à Rocket League et en même temps qui auraient voulu tester le serveur Rust. Voilà. Je pense que j'ai résumé le truc là. Salut Slider, comment allez-vous? Et ça va très bien. Et toi Slider, comment vas-tu? Slider, il est partout, il est sur tous les streams. Je t'explique dans 2 minutes à You. Là, je vais aller faire du jus de pomme pour ceux qui connaissent la référence. Du coup, je reviens. Ma porte, Yampol. Si, y'adore. Ayuni, en gros, Valheim, c'est un jeu de survie. Alors, ça peut s'apparenter un petit peu au système que tu retrouves dans Ark ou d'autres jeux. Seulement, c'est beaucoup plus intuitif, je trouve, même si Ark est relativement intuitif. Et le but principal, si tu veux, c'est de faire donc d'évoluer ta civilisation, donc d'évoluer tes âges, entre guillemets, avec plusieurs types de matériaux, avec des crafts différents, avec des armes différentes. Et donc, sur la map... tu as plusieurs boss, donc tu en as, ils sont au nombre de 4 ou 5, je sais plus. Et le but, ça va être de battre ces boss là pour gagner sa place au Valhalla. Voilà, entre guillemets. Hein. Mais le but principal, oui, c'est clairement c'est du survival sandbox où tu vas pouvoir crafter, tu vas pouvoir construire, tu vas pouvoir... tu vois, là, on a un petit village que tu verras sur le live de Namerk tout à l'heure. Et d'évoluer, de faire les cons, de pouvoir faire le dual pay aussi, hein, c'est bien des fois. Mais c'est vraiment fun, le jeu, c'est un jeu qui est très 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 faible en termes de poids, il fait 1 giga. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ça te va, Ayu, comme explication? J'ai amélioré encore la porte.
Je vais niquer, merci Aurélien, je participe au statistique de tout le monde, c'est gentil. Ton skill de construction s'améliore de jour en jour. Bah merci beaucoup. Je pense que j'ai un... l'expérience de Minecraft qui m'a beaucoup aidé. Et puis c'est un jeu procédural, c'est-à-dire que la map, au fur et à mesure que tu vas... par exemple, si demain on fait une autre partie sur une autre map, la map sera pas la même. C'est du procédural, c'est de l'autogénération de map. Et c'est fou. Franchement, c'est fou, c'est stylé. Bon, attendez, je reviens. Deux petites secondes. Snyder, tu viens avec plaisir, tu fais point d'exclamation event, tu as le Discord, on te move et on te donne le mot de passe et tu rejoins la partie avec plaisir, mon pote. Mais il était là, tu vois. Et ces bruits étranges. Voilà, ok, bon. Merde avec ma bouche. Exactement ce que me disait mon ex. Exactement ce que me disait Mahmoud. Mahmoud, c'est qui Mahmoud? Il y a Slider qui va nous rejoindre sur la partie. Ouais, je me doute. Et il y a mes doutes. Hein. Ok, j'ai tout préparé. Ah. La musique a coupé. Ah non, c'est parce que... Des fois quand la musique coupe, c'est qu'il y a un raid. Un raid. La porte est magnifique. Hein. La porte est sublime. Alors moi, je propose qu'on fasse des tranchées plus larges pour se protéger. Eh ben, let's go. Ah, je crois qu'en fait, je lui ai expliqué les trucs tout à l'heure, mais elle ne m'entendait pas, donc j'ai parlé dans le ZEF. Ah oui, je me souviens de vous, Slider. Je me souviens de toi, Slider. Je t'ai vous voyé, ok, tout va bien. Quelle politesse cet homme, je te jure. Quand j'étais commercial, non, j'étais un Jedi. Quand j'étais vendeur dans une entreprise d'occasion chez qui j'ai fait mon alternance, un jour j'ai une dame, une chef d'entreprise qui est arrivée et ses deux derniers iPhone avaient pris la flotte. Et donc elle m'a en gros, il y avait des problèmes de compatibilité avec sa puce, etc. Elle était prête à me lâcher 600 balles d'iPhone en urgence pour se faire, pour avoir deux nouveaux téléphones pour son projet, enfin parce qu'elle était venue faire ça dans les Hautes-Alpes. Ouais. Et ben je l'ai arrangé et je lui ai permis de dépenser, au lieu de dépenser 600 euros, je lui ai fait dépenser que 15 euros. Et ce qui était pas du tout commercial de ma part, mais la dame était tellement adorable que je me voyais pas faire autrement. Et elle m'a filé un pourboire, je crois, de 40 balles. Putain. En tant que vendeur hein, dans un shop, hein, ça arrive quasiment jamais. Et elle m'a filé sa carte, elle m'a dit si un jour tu cherches du travail, tu peux m'appeler. Putain. Ça a été quelque chose de très agréable à entendre. Voilà. Ouais, surtout que les pourboires dans le commerce, faut faire gaffe parce que c'est pas souvent autorisé, on va dire. Bon, autorisé, c'est un don, donc après... Ouais. En fait, les pourboires, je les mettais dans la caisse commune et ça nous servait à acheter pour mon équipe... Ah oui, d'accord. Des pitchs. On faisait une pause, il y a un des vendeurs qui allait au Monoprix, et on achetait du macchiato caramel glacé et des pitchs. Et on c'est trop bon ça. Avec le patron. Le jeu se termine vite, mais se termine pas le jeu en fait. Il n'y a pas réellement de fin. Run à Merck. Je sais pas s'il nous entend. Alors par contre j'ai extrêmement faim, donc ce qui va se passer c'est que je vais faire pause une seconde sur mon stream les amis et je vais aller me chercher un truc à manger parce que je JPP comme disent les jeunes. Je crois qu'il est dans le vocal, il attend le move. Ouais.
Non, il n'y a personne en local. Non, mais il avait... laisse tomber, il est complètement niqué. Hein. De qui? Lilian. Il voit des trucs. Il est atteint, je te jure. Salaud. Oh, je fais ça parce qu'il est pas là. Je... pas comme ça. Un peu, mais pas trop quand même. Vous êtes tous sur le jeu, non? Moi? J'ai pas. Tu l'as pas, Valheim? Non. Ah merde. C'est pas grave, t'inquiète. Hein. Je suis en train de faire un truc, mais c'est pas grave. Je suis en train de jouer. T'es en train de jouer? T'es sur Knockout encore? Non. Ok, bon. What? Mais il s'est passé quoi au village? Quoi? Vous avez détruit la maison de... Non, c'est elle qui l'a détruit. Elle va la reconstruire. Ah. Ah, elle a bien pris ou pas? Vite fait. Ok. De quoi? Ça veut dire qu'elle a mal pris. Non, je me demandais si elle avait bien pris le fait que la grosse maison d'Orion a... Alors c'est pas ma maison déjà. Je suis dans la merde parce que je peux pas réparer et je suis planqué dans la... Attends, faut que je fasse le tour. Il faut qu'il fasse ton le tour là. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'avais comme projet de faire des agrandissements par la suite à ma maison. Attends, ta maison est déjà énorme. Ah ouais. Mais c'est pas grave, on fera un pont et on fera un ponton, il y aura des douves dans notre... On peut faire un pont avec un village, avec une maison de l'autre côté, un accès, tu vois, c'est... Un jiffy. Jiffy. Mais tout à fait, je valide. Je crois que je vais faire comme toi, tu m'as donné faim, donc j'arrive tout de suite. C'est vraiment de la merde. Et alors? Ouais. Chacun son heureux. Bonjour, comment allez-vous? Bon, Et nous avons le retour de Bébert Tartare. Par contre, franchement, dans Valheim, l'endurance est beaucoup trop longue à remonter. Non, mais après, ça s'augmente avec la bouffe. C'est selon la bouffe que tu manges. En fait, c'est surtout que là, on n'a pas de recette. Moi, je propose qu'on fasse passer la nuit. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ah, vu comment on y voit comme dans le trou du cul d'une bille. Tu vas foutre le feu partout. T'as vu tellement comment tu vas, Mando? À quand, Mando, sur Valheim? Ah, Bondo Mondo. Mondo. C'est du RP chinois. Ah, Bondo. Je m'appelle Mondo. Bonsoir, Even. Bienvenue sur Valheim. Jamais, ce jeu m'attire pas du tout. Ah ouais? T'aimes pas les survival? Demain, on est sur Ark, si tu veux, Mando. On est sur Human Fall Flat, je crois, et puis à 22h, on décale sur Ark. On va essayer de faire pas mal de jeux. Ah, tiens, je te montre vite fait. Je te remontre le plein linge. Le plein linge, il est où, le plein linge? Hop, hop, yes, yes, ouvrir l'original. Voilà. Donc là, tu as le planning de la semaine, s'il y a des jeux qui t'intéressent. Donc, Human Fall Flat, Ark, Use Your Word, Grounded, en sachant que, comme on disait tout à l'heure, la plupart des jeux, enfin, si ce n'est tous quasiment, sauf Valheim, sont soit sur le Game Pass, soit gratuits. Sur Elite Dangerous, bah, le problème, c'est le temps, en fait. C'est le temps, je dis pas que je j'y remettrai pas, mais là, pour l'instant, tu vois, c'est, si je fais du Elite Dangerous, plus du RP, j'ai plus de vie, quoi. Jean-Paul, je peux plus dormir, je peux plus dormir. Il fait yo, là. Il fait pas yo, là. Il fait semi-yo. On dirait on est dans un aquarium là. Qui c'est qui a bédaf sur la map là? Chronophage. Ouais, grave. Ouais, puis ça plus GTA RP, je pense que ça piquera. Nickel, Evan. J'entends me faire un café. Mais si tu veux, demain 22h sur Ark, ça peut être fun. Je t'enverrai de toute façon le planning, tu me diras s'il y a des jeux qui t'intéressent. Aïe, Floki. Non, je ne suis pas un taxi. Floki me grimpe dessus, quoi. Je veux dire, le respect est mort. Salut, Holo. Et salut. Coucou. Le respect est mort, ça grimpe sur les gens. Écoute, j'ai testé. C'est ça. La nouvelle monture de Valheim. Les montures, ouais. Ça en fait. C'est le DLC, ça. C'est pour ça que c'est pas encore au point. C'est en avant-première. Ça arrive 200 gigas de place nécessaire si tu installes les DLC gratuits. C'est ça, 200 gigas. Et moi, quand j'avais toutes les extensions, mes packs et tout, Ark, je montais à pas loin de 410, 420 gigas. Ah, c'est beaucoup trop pour un jeu, hein. C'est vraiment abusé. Il est monstrueux, hein, Ark, hein. En termes de contenu, t'as énormément de... Déjà, moi, faut que je vois, mais 200 gigas, c'est énorme, hein. Faut que je les trouve, hein, franchement. Ouais, moi, c'est pareil, faut que je dégage GTA 5. 200 gigas, le jeu? Ouais, avec toutes les extensions. Non, toutes les extensions, si, c'est 400 gigas. Non, avec toutes les extensions, c'est 200 gigas. Le truc, si tu mets les DLC et tout, après, ça pique. Non mais moi quand j'entends... Ah bon, il fait autant le jeu. Bah moi c'est pareil, hein, j'ai dû dégager des trucs. Hein. Bah il y a trop de jeux en fait. Donc moi limite ce que je fais maintenant c'est que j'installe les jeux la veille. Et bah, après quand j'y joue plus, je désinstalle, je réinstalle. Donc l'intérêt de la fibre. Quoi. Ouais, bah c'est ce que je vais faire après qu'on ait quitté le live, donc c'est-à-dire à 9h du matin. C'est un mec fou. Ah, faut que je bosse un petit peu aujourd'hui en plus. J'ai une charte graphique à faire pour un streamer. Bon, du coup, on va tenter le... Est-ce qu'on peut se permettre d'aller tenter le deuxième boss, je pense? Plus les donjons qu'il faut qu'on fasse. Ouais. Pas du tout équipé, moi. Ah, mais c'est pas grave, on le passe pas, le deuxième boss. Il faut s'équiper. Bon, bah, on va aller dans la forêt noire, on va les farmer. Parce que de toute façon, il faudrait qu'on développe la charrette pour qu'on puisse ramener plus de ressources. T'en penses quoi, Flucky? Je doute que vous ayez farmé du ouais. cuivre. Et la dernière fois, je vous avais fait un repérage sur toutes les cryptes et les grottes de trolls dans la forêt noire. Je vais juste réparer. Et je pense que ouais, d'aller faire les donjons, ça peut être pas mal. Histoire de... Puis il faut récupérer du bois dur pour Darka, et il voulait absolument le briser. Le brissard est très bon, hein. Je l'ai eu pendant un petit moment, hein, sur Valheim. Une très bonne arme, Early.
Ok, bah on est parti, je pense. Attends, non, il nous manque qui Si on peut se faire quelques trolls sur la route pour faire des armures en trolls, ça peut être cool aussi. On va pas croiser, j'espère qu'on croisera pas Sardoche. Bah, si on croise des trolls, il y a moyen. On t'aime, Sardoche. Bah oui, mais oui, mais oui. Bisous sur la fesse gauche. Super, je suis tombé dans votre truc de... Par contre, je t'interdis, Namerk, de critiquer notre magnifique fossé. Alors par contre, je vais faire un truc, je suis désolé. Je vais ban Dark Alive de ma chaîne Twitch. Il va s'auto-ban. Voilà, construction. Moi, je le trouve incroyable, notre village. Avec les douves et tout autour, c'est super classe. Grave. Juste voilà. Que Bébert arrête de sauter dans le vide. J'ai dégagé la porte qui était là parce qu'elle sert pas à grand chose en soi. On va garder une seule porte pour l'instant. Coucou Arétiane, comment tu vas? Y'a même pas d'escalier pour remonter au cas où. Mais parce que c'est une douve, t'es pas censé tomber dedans, on fera un autre pont. Bah ça va nickel Aré, hein. Ça se passe bien sur Minecraft? Je sais que t'es sur mon serveur en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Je me demande si ça se passe bien, elle me répond non, mal, merde. Qu'est-ce qui se passe? Un problème avec Minecraft ou vie perso? On en reparlera, je vais sur Valolo. Ouh, il y a eu un problème Twitch ou un problème Minecraft là? Ah merde. Ah ouais, c'est pour ça qu'ils sont tous partis sur Call of, tu penses? Il y a eu un problème Minecraft? Je sais pas. Ah merde. Non mais ça se trouve, elle te troll. Mais c'est vrai qu'il y a plus personne alors qu'ils étaient pas mal tout à l'heure. Non, t'inquiète. Je pense pas. Ouais. Ah, faudra que tu me dises s'il y a un truc, une dinguerie qui s'est passée avec le serveur, vu que je suis l'admin, tu me dis et je. À part moi, j'ai peut-être cheaté, je vous ai tous tués, mais à part ça, c'est pas. Je banne. Qu'est-ce que tu fais, Yampol? Yeah, c'est pas, il cherche du miel. En vrai, si, parce que les doubles vont devoir être là aussi, donc si, t'as raison. Non, c'est surtout. Tu m'as mis un vent sur Discord, MDR. Comment ça, je t'ai mis un vent sur Discord? J'ai pas de message de toi sur Discord, Arétiane. Oh my bad. Je te réponds après le stream. J'ai pas du tout vu ton message, Aré. Voilà, nickel. Donc il te répond à 9h du matin. Ah non, je suis profondément désolé. J'ai dû passer nickel. Au-dessus. Bon allez, on y go. On est parti. Moi, je peux pas y aller tant que j'ai pas pété ça là. C'est psychologiquement pas possible. Ah, tu veux faire Ah oui, d'accord. Mais là, tu vas tomber là, Lilian. Non mais je rigole, on ira après. Je suis désolé, Aré, je te réponds dès que je finis le live. C'est-à-dire dans 8 heures. Allez, ouais, go. Le village est incroyable, j'aime beaucoup. J'adore. Et j'ai confirmation, je pourrais, si on monte un serveur, je pourrais switcher la map sur le serveur. Bah je l'avais déjà dit. Merci Aré. Gros bisous. Oui, tu me l'avais dit. J'ai surtout demandé à Nitrado si c'était compatible. On dit que oui. Attendez, on attend Bébert, il est toujours pas là. Ah non, c'est un gars de chez nous. Il se retourne et paf, il me tire dans la cuisse. On l'a cuisiné, pas moyen de comprendre. Un bug de ce qu'il raconte. Ah merde, j'ai pas pris à manger. J'arrive. Yes. Ah, je suis niveau 16 sur le stream de Namerk. Je suis trop content. Franchement. Ouais. Quoi? Les viewers de l'ombre, c'est... Voilà. Je rigole. Ah bah désolé, hein, je peux pas jouer. Je peux pas jouer et mettre des messages sur le live en même temps. Tu sais, je vais me faire des macros sur le stream deck. Salut, ça va? Ouais, hier j'ai mangé un flan. Bonjour, enchanté. Je vois que le cuisinier du village, les coffres sont vides. Je suis absolument pas dans le bon sens, c'est juste magnifique, tout le monde me suit, c'est sublime. C'est une honte, il n'y a pas à manger. J'arrive.
crois que vous m'avez pas attendu de toute manière. Ah bah non, hein, t'as mis beaucoup trop de temps à venir. Hein. Il y a des arbres coupés qui sont pas taillés. Je vous demande, s'il vous plaît, dans un respect de la nature, vu que quand même le bois prend sur lui pour nous donner de sa chair, il faudrait quand même les tailler jusqu'au bout. Du bois avec de la chair. Alors, tu te dis peut-être pas qu'ils sont tombés suite à une tempête. Vous pouvez me la redire sans plier des genoux, celle-là. Il y a un mec sur internet qui est passé à la télé, etc. Il réalise des sextoys en bois, en fait. C'est magnifique. Et je me suis dit, ça fait quand même, c'est quand même bizarre qu'un chêne vieux de 100 ans, il finisse dans l'anus de quelqu'un, quoi. Je trouvais ça vraiment, vraiment dommage. Je trouve ça très noble. C'est noble. Très noble. Bon, y a rien de. Pourquoi pas, hein, après. Oh, eh bien, Tartare est présent. Oh et putain, et... Non, mais attends, il me saoule le Bambi là. Il veut pas mourir. Viens là, Hippolyte. En fait, le jeu il a un côté où quand c'est loin, c'est flou et ça fait super mystérieux. Ouais, c'est normal, c'est des vieux. Non mais c'était une vieille. Ouais, c'est toujours des vieux, parce que les vieux c'est mystérieux. Ils sont arrivés dans un village et il s'est rien passé. C'est ça. Le serpent du lac, c'est une anguille. Vous y avez été au milieu du lac? Bah non, il n'y avait pas eu besoin, il était juste devant, il avait besoin de se baisser. Vous n'êtes pas dit qu'il y avait un plus gros serpent dans le lac? Bah ça après... Incroyable Kaamelott. Grave. Top 1 série. Moi je suis Nyxophile. Moi aussi je suis incroyable. Est-ce que vous êtes Nyxophile comme moi ou pas? Ça dépend ce que ça veut dire Nyxophile. Bah j'adore manger des queues de Nyx. Écoute, chacun voit son plaisir. Chacun voit son plaisir où il veut. Je serais tenté de dire, pour commencer. Chacun son plaisir, si t'aimes la queue de Nyx, Putain, par contre, ça me stresse en fait d'avoir ma cam en haut à droite. Non. Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Vous êtes partis en fait. Je vais la remettre là en fait. Vous avez. Bah, c'est. Darkhan qui nous a dit qu'il aimait manger de la queue de Nyx. Voilà, c'est très bien. De la quoi? De la queue de Nyx. Cuisiné avec une petite mayonnaise maison. Je sais pas ce que c'est un truc dégueulasse, bizarre, chelou. Ça m'étonne pas trop de Lilian. Hein. Oh là là, ça tire à balles réelles quoi. Ah, mais des révélations. Des révélations. On aurait dit Denis. on aurait dit Denis Brognard, c'est genre ah. Tu te calmes, Denis. Mais tout à fait, Igor. Ce soir, nous allons voir pourquoi j'ai un aussi gros menton. Gros big up à Superflame, qui est un excellent YouTuber. Surtout un très très bon imitateur. Ouais. Qui a un contenu et qui est un... à l'inverse du putaclic, très, très riche. Qui est un YouTuber totalement sous-coté. Ah oui, complètement. Oui. Bon, il est déjà bien coté quand même dans le YouTube game. Mais, c'est pas ouf. Hein. Par rapport à d'autres, c'est pas ouf. Hein. Ah bah oui, par rapport à la cote, oui, c'est sûr. Je sais pas combien il a d'abonnés. 800 000 700 000 Je suis même pas sûr. 1 million Superflame. Attends, ouais, je vais te dire tout de suite. Superflame. Moi, je dis big up à. Et il en a même pas 600 000, il a 546 000 abonnés. Voilà. Ouais. Merveilleuse YouTube. C'est honorable. Tout à fait. T'as dit quoi? T'as dit big up à qui? À Anne Sofri. Non. Ah non. Pour Floki, pourquoi sur la carte il y a un truc bleu qui rebondit sur toi? Et vous ping la direction. En vrai, moi je suis parti solo dans ma life, quoi, tu vois, c'est. Ouais, c'est pour ça que j'ai ping. Non, en fait, c'est une blague, c'est parce que la dernière fois, il y a Darka qui a pété un petit. Qui a fait un petit coup de gueule par rapport à cette youtubeuse. Voilà. Puis même pas une youtubeuse en soi, c'est. Juste. C'est. Moi j'appelle ça les opportunistes. Extrême vegan, visiblement. Voilà. Moi j'appelle ça les opportunistes négatifs. Voilà, après chacun appelle ça comme il veut. Non, je suis complètement d'accord avec Orion. Et ce qui est assez hypocrite de sa part, c'est de ne pas reconnaître le fait que nous sommes des carnivores, enfin des omnivores opportunistes. Alors que c'est une youtubeuse opportuniste.
Voilà. Oh, une grosse, gentille dame. Donc la seule différence avec nous, c'est qu'elle, elle mange des graines. Voilà. Et allez, et voilà, 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 le cliché. Le cliché de base. C'est pas parce qu'elle est... Alors, non, ce n'est pas un cliché, ça fait référence à Kaamelott. Non, mais c'est pas grave si elle est plus proche des piafs que des humains. C'est pas très grave. Alors, et allez. Ça, c'est pas tolérable. La mère qui est... Et ça, c'est fait. Bah, faudrait que j'aille lire ce qui est toléré ou pas sur Twitch. Non, mais ça, tu peux, en fait. Honnêtement... Non, mais ah, on a le droit de dire ce qu'on pense. Enfin, moi perso, tu vois. Qui insulte tout le monde. Non, mais en plus, c'est même pas des insultes qu'on fait. Mais moi, je pars du principe qu'une personne qui est pas ouverte au débat et qui dit vous êtes tort, vous êtes des cons, vous avez pas raison, je ne peux pas respecter ce genre de personne en fait. Moi aussi, je dis bonjour. Si elle mange des graines, tu peux la mettre avec tes deux, avec tes deux perroquets. Ah, mais grave. Parce qu'ils vont se taper dessus, perso. Très bonne blague, Ali. Non, mais surtout que ça fait partie de cette classe de gens, tu vois, qui s'il était en galère, de la viande, il en boufferait, tu vois. S'il devait bouffer que ça, il en boufferait. Ouais. Donc c'est un peu fouillé. Alors, à ne pas confondre avec ceux qui militent pour la cause animale et qui placent dans leur cause animale le fait de ne pas manger de viande, parce que selon eux, ce que moi je juge faux, mais selon eux, ça va dans le même champ lexical, et c'est tout à leur honneur. Par contre... Si tu ne manges pas de viande, ça ne t'autorise en aucun cas à casser les couilles à ceux qui en mangent. Voilà. Voilà. Tout comme tu as le droit d'exprimer ton point de vue. Et comme l'inverse, c'est pas parce que tu manges de la viande que tu dois aller casser les couilles à des gens qui sont véganes. C'est ça. Comme ceux qui jouent à Fortnite, ils veulent jouer à Fortnite. Non, ouais, j'avoue que là, en fait... Ben, moi, j'ai pas de mal à dire que j'ai déjà joué à Fortnite. Ah, mais moi aussi. Même été bien placé, bien classé à un moment. Moi j'ai joué à Sauver le Monde, que j'aimais beaucoup. Sauver le Monde aussi, ouais. Bah c'est ça à la base, hein. Oui, c'était très très bon, d'ailleurs oui, ils auraient jamais. À la base, ouais. Moi quand il y a eu le BR, ça m'a dégoûté. Par contre, pourquoi les arbres ne me donnent pas du bois dur et ils me donnent du bois normal dans la forêt noire? Tu coupes du sapin et pas du pain. Voilà. Ah, de couper du pain, tout le temps en train de bouffer celui-là. Je vais vous attendre à la première crypte. Ouais. Enfin, je propose qu'on fasse un petit feu avec des petits trucs pour la viande. Oh si ça vous dit. Bah, Bébert, on est mort, je crois. Comme ça, je peux faire de la bouffe. J'ai ramassé plein de bouffe. Voilà. Et ça ne m'a pas donné du bois dur, mais du bois normal, le sapin. C'est normal parce qu'il faut couper du pain. Ah, pas bah, du tu sapin. M'as dit l'inverse. Oui, tu m'as dit l'inverse. Ouais, je suis d'accord avec toi. Couper du sapin et pas du pain. Non, non, tu m'as dit l'inverse. Ah bah my ouais, bad. Je suis d'accord. Donc c'est un scandale. Alors les boulons on peut pas. Il y a du pain là où je suis situé. Non. Donde sta floqui. Sinon il y a du pain à la boulangère. Il y a que du sapin. Waouh. Tiens, dirige-toi vers le ping que j'ai fait. Je crois que Floqui est chinois, il s'appelle Floqui Ping. C'était nul. C'était totalement nul. Du sapin. Place. Fabuleux. Est-ce que si là, maintenant, tout de suite, on vous proposait d'avoir les pouvoirs de Superman, est-ce que vous accepteriez qu'il y ait un humain sur Terre, au hasard, qui soit sacrifié pour que vous ayez ce pouvoir? Non. Non. Oui. Ça dépend quel humain. C'est ce que j'allais dire, ça dépend quel humain. Bah, tu fais la probabilité, donc. Alors, si c'est un violeur ou un truc comme ça, oui. Si c'est une personne déjà, qui n'a rien. Il y a de grandes chances, en termes de probabilité, il y a de grandes chances que ce soit une personne asiatique. Ouais, déjà. Premièrement. Quoi? Il serait donc. Pour ta vieille blague, tu peux cut ton live. Ah bah merci. C'est pas une blague, hein. Non, non, il parle pas de ta blague, il parle de la blague du pain et la boulangère que j'ai fait tout à l'heure. Non, moi je l'ai trouvé c'est très drôle. Je suis pas d'accord, je l'ai trouvé très drôle. Bon, déjà, la proba. Alors, en Chine, il y a 1,444,000 personnes. Oui, donc en Inde, il y a 1,393,000 personnes. Donc, ça veut dire que tu as une chance sur 7. Une chance sur 7 à peu près, que sur 6, que ce en soit. En gros, en Asie, tu as un peu. Non, salut, Dr Pinas, comment vas-tu? Tu as une chance sur 3 de tomber en Asie, oui. En gros, oui. À peu près.
Ensuite, on va dire que... Bon, après, c'est reparti à peu près dans le monde entier. Nous, la France, nous, on est tout en bas. N'hésitez pas à parler sur le chat, à follow si le live vous plaît. J'espère que vous passerez un bon moment parmi nous. Okay. Yes, franchement, quête-le. Je rappelle également le concours lancé par Orion sur son compte Twitter. Orion Live, sur lequel vous aurez la possibilité de gagner une paire de lunettes Horus, qu'on remercie évidemment pour ceci. Et vous avez toutes les règles expliquées sur le tweet. Parce que Twitter, c'est pour tweeter. C'est vrai, et pas Facebook, comme j'ai dit. Voilà, et puis sûrement des petites clés de, je me rappelle plus, le jeu Legend, je sais plus quoi, là, qui est en bêta jusqu'au 25. Je vous ferai peut-être gagner une petite clé prochainement. Ça a l'air génial, j'ai même des vidéos. Il y a le lien dans la description. Il me dit ça. Ah non, c'est sur ton live. Je me perds avec les lives, je sais plus qui est le live de qui. Ça a l'air génial, j'ai vu une de ses vidéos. Elle se vénère contre un vegan. Ça a l'air génial, j'ai vu une de ses vidéos. Elle se vénère contre un vegan. Ouais, et ce vegan, c'est Didi Chandoui qui l'a démonté. Il l'a détruite. Dans ses explications, il lui a dit tu nous fais passer pour des abrutis. Enfin, et pourtant, il l'a détruite. Comment vas-tu, Dr Peanuts hein. Bah après, je suis tenté de dire, laissez les gens faire ce qu'ils veulent, voilà. Les gens ont envie de manger de la viande, ils mangent de la viande. Ils veulent manger des graines, ils mangent des graines. Mais ils mangent pas que des graines par contre. C'était ironique. Non par contre ça c'était vraiment pas cool. De quoi? Non, j'ai cru que Bébert avait détruit ma maison. alors attends, parce que je suis trop lourd. Parce que j'ai trop de bois robuste en fait. Et j'ai du bois. Je vais faire un petit camp de base si vous voulez. Plutôt. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire là avec. Ah ok, d'accord. Ok, vous auriez dû le faire où on est. Avec Flucky. Ouais, non, mais c'était juste pour réparer ma hache. Juste pour réparer ma hache. D'accord. C'est bon, je t'ai fait de quoi faire cuire ta viande. Ouais, mais j'ai trop de bois donc je vais mettre des trucs de stockage et tout. Comme ça, on. Hop. Ouais. Ouais. De toute façon, une idée à partir du moment où elle est extrémiste, elle est mauvaise. C'est pas faux. Tous les extrêmes sont mauvais de toute façon. Mais les extrêmes, c'est sauf si tu fais extrêmement bien l'amour, à ce moment-là, c'est vraiment cool pour toi, quoi. Non, mais les extrêmes dans le sens opposé. Ouais, bah un extrême, ah bah un extrême a forcément son opposition, hein. En principe. Oui, non mais c'est juste pour niquer quoi. Alors attends. Il faut vraiment le tuer ce dinguerie là. Hein. Ouais mais moi il a failli me défoncer. C'est vrai que je reste près de ta torche. Il te faut la ceinture du marchand pour porter plus de trucs. Ouais, je sais, t'inquiète. Non, mais je l'ai déjà fini le jeu. Hein. Juste là, on rejoue avec des potes. T'inquiète pas. Hein. On a du bois normal ici ou pas? On a une putain d'invasion de nains gris sur nous. Mais c'est gentil. J'apprécie le. Oui, bah. Il apprécie le geste. Après, moi, perso. Je mens. Est-ce que tu as du bois, Flucky, sur toi? Pas du tout. Je suis resté vide pour les donjons. D'accord. Et moi, je on ne va suis récupérer pas mal de trucs. Je ne suis si absolument. Ces deux minutes, je pourrais vous remplir là. Cette phrase était vraiment pas à prendre. Ouais, dans non, mais écoute. Il y a un chaman. Miaou. Peut-on dire qu'un chaman est un chat humain? L'empoisonnement chaman dure combien de temps? 2 heures. Bon bah je suis mort. 9 secondes je crois. Oh il me reste 2. T'as un timer en haut à droite. Je vais aller les aider. Ah bah je suis mort. Je me suis fait défoncer. Il y a une dizaine de nains gris qui ont pop de nulle part. Ils sont en train de défoncer le cul de Robert Tartar. De bébé Tartar. De Robert Tartar. Et il y a un deuxième chaman qui arrive. Robert Tartar quoi. Viens vers moi. T'inquiète. Et ça, Valheim est très réaliste parce que quand vous mourrez dans la réalité, bah vous réapparaissez dans votre lit. C'est pour ça que la Terre, au niveau démographique, ça n'arrête pas de monter. Euh,
Quel est le mot ami en elfique? Bon, vas-y, du coup, moi je voulais, je repasse plus tard, ok les gars? Je sais pas. Par contre, je vois des trucs qui brillent depuis tout à l'heure. A toutes! Balle. Bon, bah, bébé Tartar est mort. Ouais, ça veut dire qu'ils vont venir sur moi en fait. Non, non, je m'en occupe. Je suis mort aussi. Super. Alors, ça il y avait un gris 2 étoiles et une brute. Ah. Ah, ok, ça c'est un squelette, génial. La distance est très longue à parcourir dans le jeu, c'est un peu le... Tout ce qui est distance, régène, tout ça, c'est un peu le point noir que Valheim peut soulever, mais il doit probablement convenir à des joueurs qui adorent le gros survival. Moi j'adore le survival, mais c'est vrai que un tout petit peu plus d'accessibilité le rendrait plus beau à mes yeux, mais il est déjà magnifique, donc gros roleplay au produit de Valheim. Belle ironie, presque crédible. De quoi? C'est ironique. De quoi? Quand tu disais que c'était long à parcourir. Ah non, c'est pas ironique. Je le trouve long. Sérieux? Avec le. Là, comment ça s'appelle là? Moi, ce qui me gêne vraiment, c'est le. L'endurance. Ah, mais ça, mais c'est normal. Je te dis, c'est normal. C'est qu'au bout d'un moment, tu vas voir, l'endurance, elle est complètement claquée, complètement pétée. Hein. Parce qu'en fait, plus tu vas prendre de la bouffe, plus ta barre de à gauche va monter. Moi, elle monte à 300 et quelques hein, sur mon. Donc après t'auras plus de soucis d'endurance, t'inquiète pas, hein, tu pourras courir, tu pourras... Et il ira mieux quand on aura la soupe de carottes aussi. Grave. Ok. Je suis pas sûr que la soupe de carottes apporte plus pour la santé que de la viande. C'est très important. Je pense que Valheim a été fait par des véganes. En tout cas niveau endurance, elle apporte plus que de la viande. Sur Valheim. Merde. Il a pas fait le malin avec moi le chaman, non. Bah écoutez, il vous attend. Bah moi j'ai des nains gris au cul de partout là. C'est assez compliqué quand même, hein. Mais non. Et moi je retourne à mon corps. Bienvenue dans l'Eda poétique.
C'est marrant les dingueries, maintenant que j'ai un couteau dans les mains et une lampe torche, vous partez comme des petites merdes. Parce que c'est ce que vous êtes au final, les dingueries. Personne ne vous aime sur ce jeu. C'est où là ? D'accord. Bonjour. Bonjour, Flouki. Du charbon. N'hésitez pas à faire des lits aussi. Comme ça, ça vous permet d'avoir des. Le choix, je pense. Moi, je suis sur mon petit lit. Voilà. Là, donc, tu peux avoir plusieurs lits et après choisir l'endroit où tu veux respawn. C'est ça. Oui. Donc, pour l'instant, je mets ça dedans. Comme ça, ça m'évite d'être chargé comme une baleine. Et quand on aura la charrette, on devrait l'avoir dans pas longtemps, la charrette, je pense. Oui, il faut juste transformer un de bronze en 20 clous. Ouais, je pense qu'il faudra qu'on fasse ça. Je suis à l'intérieur de la chambre funéraire. Ouais. Et tu vas, on pourra faire par la suite avec le steering, on pourra faire les TP comme t'as vu sur ma base. Ou en gros, par exemple, de notre base à ici, c'est instantané. Et ça, c'est vachement utile parce que la map est tellement grande que quand tu veux revenir sur une zone. Et c'est vachement intuitif, t'as juste à les renommer, tu peux même avoir un TP et tu changes juste le titre et tu choisis où tu veux te TP. C'est vachement bien foutu. Ok, on va tout réparer. Pas placer la barricade, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça te dit quoi? Ça me met en rouge alors que c'est sur le sol, aucune raison. T'as du bois? Oui. Tu vois, je peux construire autre part. Ah ouais? Ah, mais c'est peut-être parce que j'ai été tu, non? Là.
bon, c'est un minimum protégé et voilà. Vous êtes où vous qu'on vous rejoigne là? Jean-Paul, t'es pas truc très loin, funéraire où on était? Ouais, bah on arrive. On a juste fait un petit camp pour se remettre bien. J'en avais fait un juste à côté. Ouais, mais le nôtre avec Namerk, il a une signature que tu peux pas comprendre. Ouais, j'imagine. Ouais. Je suis d'accord. Ah, j'ai été follow par un mec qui s'appelle Bouddha Volant sur mon compte Twitter. Je vous remercie Bouddha Volant pour son follow. Bouddha Volant. Des pseudos comme ça ne s'invente pas. Bon, tout comme chaque pseudo. Hein. Me dis pas qu'on a déjà fini là. Et je crois que c'était une toute petite crypte. Ah, c'est une petite. Ah oui, vous êtes parti seul sans nous. Oh, c'est quoi ça? Ok. Il y a des boucliers au. T'as vu ça Ouais, je suis assez déçu et choqué de leur comportement. Regarde pas, il y en a plein des cryptes. Hein. Vous avez rien raté. Je qu'on fasse notre petit village à part et qu'on. Ouais, nos cryptes à part. Oh la rébellion! Oh la rébellion! On a récupéré quoi du coup? Attends, on va mettre dans le coffre du coup ce qu'on a récupéré d'intéressant. J'ai un cœur de Sterling. Ouais, bah, énorme. Il a même pas respecté la physique du jeu avec sa maison là. Mais grave! Trophée squelette. Tiens, si tu veux mettre les sterling, on va mettre ce qu'il y a de bon dessus. Au pire, on va refaire un coffre, je pense. Non, t'en penses quoi? Oui, je pense que ça peut être cool. Comme ça, on charge, ça évite de faire des allers-retours à la base. À la base, c'est le mec qui parle quand même. Vous avez mis des coffres là-dedans ou pas? Un coffre. Et vous pouvez essayer de vous craft des lits. Au besoin, on agrandira s'il n'y a pas assez de place. Ça permet d'avoir un respawn. Il me manque du bois. Tiens, viens ici. C'est bon, j'en ai pris dans le coffre. Mais je vais faire des lits, sinon. Mais le bois qui est autour de nous, il est pas bon pour construire. Si, les petits sapins. Faut que tu tapes les sapins. What? Tu fais quoi, t'as grandi? J'ai pas de place pour le lit. T'as grandi? Ouais, bah j'ai grandi, j'essaie juste de. Yes. Faire un petit peu plus de place pour le lit, quoi. Merde. Bien les maisons qui sont incorporées dans les murs. Dans le sol, pardon.
La petite touche classe. Voilà, donc il y a 3 coffres. Il y a de quoi. Ok, qui s'est pas fait de lit? Bébert, il s'est fait un lit. C'est moi, mais t'inquiète, pas besoin. Non, je crois que j'ai de quoi le faire, donc... Ah non, j'ai de quoi. Non, il manque du bois. J'arrive avec du bois, moi. Bah, il faut 16 de bois pour faire deux lits. Comme ça, on se fait un petit spoon. Un petit spoon. Je vais aller refaire un peu de bois. Et je suis à la deuxième crypte, si vous voulez. Yes, on arrive. Elle est à côté? Elle est exactement là où je suis. J'ai pas vu. Attends, je vais regarder. J'ai rajouté 2 lits. Vous pouvez venir vous les approprier. GG. Yes. J'ai fini de couper du bois. Pousse-toi, Bébert. Pousse-toi un chouï, Bébert. Bébert, voilà. Petite maison de campagne propre, net, précis. Ok, et donc du coup, là, il faut qu'on aille... Alors, on va réparer aussi... N'hésitez pas à faire cuire de la bouffe. Oh, ok, bon, je reviens vers vous. Je commence à être dans la merde. J'arrive. T'as les ennemis ? Il y a un troll de brute. Un gros troll ? Un troll de brute. C'est pas mal. Ouais, il va détruire la maison là. Bah, il est loin, donc je pense que. Si ah. On... Non, mais le troll m'a pas vu, le troll m'a pas vu. Bise, Pandamonium, à très vite. Le troll, faut qu'on le fume, il faut sa peau. Je veux pas qu'on les attende de... Si, je suis à l'entrée mais je les attends. Je regarde c'était laquelle celle-là. Je sais pas, à mon avis ça a l'air d'être petite aussi. Il y en a une troisième après. Oh, regarde ce qu'il y a là-haut. Il y a un spawn. Faut qu'on aille le détruire. Viens. Oui, bah c'est ça en fait pourquoi j'étais un peu dans la merde. On va le détruire ? Ou on les attend ? Let's go. Je pense qu'on peut les fumer là. Attendez-nous.
Bah, le spawn est quasiment mort, il est juste à... Voilà. Oh, je prends des claques là. Je bouge, je prends des claques de ouf. Bon bah Bébert, on est encore tout seul dans leur donjon, dans leur coin, t'as vu? Non, on est pas en train de faire un donjon. On est dans le donjon là. Ouais, bah ouais. On t'inquiète, nous. On est devant, on vous attend. On s'occupe avec la petite maison. Non, mais on vous attend en fait. Non, non, il y a l'impression qu'ils veulent se faire un petit couple à deux. Ouais, choqué déçu. Non, mais on vous attend. Calmez-vous. Ok. Bon, bah, on va commencer, on va couper du bois, on va profiter. Non, mais on a fini là. Il y a un troll pas loin, faut faire gaffe. Faut qu'on le fume. À 4, je pense qu'on peut le fumer très vite. Oui, à 4, oui. Ah, il est là-bas, il est là-bas. Ok. Je sais pas si tu le vois. Ok. Il vient vers nous. Ah, d'accord. Je pense qu'il nous a vu. Ouais, c'est bon, Bébert, la maison est finie. Ouais, ouais, t'inquiète, on va. Elle est plutôt stylée. Ouais, ouais, bien sûr qu'elle est stylée. Heureusement qu'on a été là pour la finir. Hein. Bah, c'est sûr. L'intérieur est immonde. On dirait le trou de balle d'une chèvre. Qu'est-ce qui est le plus bizarre, c'est que ton expression ou que tu connaisses l'intérieur du trou de balle d'une chèvre? Franchement, je peux pas répondre parce que je sens que je vais me faire piéger par internet. Tu vas te faire attraper par internet. Ouh, les myrtilles, c'est bon ça. Bim bam bim. Et ça fait bim bam boum. Ça fait pchiter, ça fait boum, ça fait. Je à 200 subs sur le live d'Orion, il fait un live 4 heures en écoutant cette musique. Vas-y. Ça me dérange pas. Je suis résistant. Bon, alors on va dire 12 heures. Du moment que c'est pas la vidéo avec Juju FitCat, ça me va. Ah si si, c'est celle-là évidemment. Ah ouais. 4 heures avec FitCat ou alors c'est 12 heures le clip originel. Pendant 12 heures mec, tu le fais avec moi ? Ouais. Ah non, non, non. Salope. Je fais pas avec toi. Me donnez pas d'argent, me donnez rien. Saloperie. Non, mais tu sais que c'est le genre de truc, tu le fais. Ça marche en plus. Je suis sûr que ça marche. Bien sûr. Et dans les 10 minutes qui suivent, Dark Alive a 10 follows supplémentaires et il vous chante une petite chanson. Abuse pas quand même. Je peux plus détruire les barrières que j'ai posées pour faire le con là. J'espère que j'ai pas fait une connerie, que j'ai pas bugué le jeu. Putain. Sinon, on fait un concours. Genre à. Je viens de voir ça sur le live. À 30 subs respectifs sur nos 3 chaînes. Pendant 10 heures, en écoutant en boucle. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa. Bah moi j'ai déjà 50 subs là, donc du coup c'est-à-dire que théoriquement je suis censé le faire. Oh putain. Mourir moi. Vous êtes concentré ou... Emplacement du deuxième boss découvert. Faut cliquer sur la petite aile. Enfin faire un peu. Du troisième boss du coup. Non, ah, mais deuxième. Les néons là, on savait qu'il était là. Mais on l'avait déjà trouvé. Ah mais moi je l'avais pas. Faut ramasser ce qu'il y a dans le coffre et c'est vide. Ouais, faut vraiment tout ramasser. Et c'est surtout les trucs de Lindsay Sterling qu'il faut ramasser aussi. Voilà. Il faut ramasser les Sterling là. Moi j'ai un cœur de Sterling. Ouais, ça faut les. C'est ça qu'on farm là. Surtout. Pour faire quoi avec Pour faire. Froid, charbon, fourneau. C'est ça. Ah, pour faire le portail de téléportation. Ouais. Pas comment vous faites pour voir 100 torches dans les labyrinthes, moi je vois que dalle. Hein.
sais pas s'il y a un réglage à faire ou autre, mais non, là si je fais ça, je vois plus rien. Bah c'est l'habitude en fait. Bon, j'ai hâte d'avoir l'épée ou la masse, hein, parce que là... À la lance, c'est un peu relou. Là, y'a un. Tu vois, les trucs violets, faut vite les niquer. Salut à toi, Rastaclo! J'espère que tu vas bien, merci pour ton follow, l'ami. C'est très gentil, à toi. You're welcome. Les rubis aussi, faut ramasser. L'ambre. Alors, les rubis, l'ambre, tout ça, ça se vend en marchand. De mémoire, et ça va nous permettre d'acheter des améliorations, notamment une ceinture qui permet d'augmenter la portance maximum dans l'inventaire. 150. Rien à voir avec une ceinture de chasteté. Hein. Rien à voir avec une ceinture de chasteté, tout à fait. Merci pour cette petite précision. Fallait que je me merci Elvis pour le à boire. Pour le à boire. Imagine, fais ce jeu avec de la vodka. Ouais, non mais ouais, arrête, ils le demandent tous. Ouais, sur Twitch, c'est pas mal. Ils demandent tous d'augmenter le prix. Et de mettre un alcool à la place. Oui, bah oui, 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 oui. Et puis la chaîne Twitch ne restera pas longtemps. Bah, je comprends pas pourquoi Twitch tolérerait pas ça alors qu'il tolère des. L'alcool est interdite sur Twitch. Amourante ? Ouais, enfin, l'alcool est interdit. Je me sens beaucoup plus enivré devant un live d'Amourante qu'avec une bouteille de bière. Hein. Ouais, c'est sûr. La vodka, c'est de l'eau, hein, après. Ouais, bon, la vodka, c'est de l'eau qui pique, quoi. Hein. C'est de l'eau qui pique. C'est de l'eau de vie après. Pique. Bon, bah, c'est bon, on l'a looté. Oui, je crois qu'on a fini la chambre. Et oui, on l'a looté, et oui, on et l'a looté. Il y en a une troisième un peu plus loin et on aura fini la forêt noire. Voilà, et puis après, il va falloir qu'on fasse... Tu sais qu'il n'y en a pas d'autres ? Bah parce que la dernière fois, j'ai zoné toute la forêt. Ouais, il a stalké toute la forêt. Bah écoute, je propose qu'on te follow. Moi, je sais pas où il est. Floki, il est parti par... Il ping. Le ping. C'est, faut suivre Monsieur Ping. Viking, Viking chinois. C'est vrai que j'ai pas de torche pour. Eh oui, personne pense à faire des torches à part. Comment vas-tu, Rastaclo, du coup? La vodka, c'est de l'eau qui pique, je regrette pas ce follow. Eh, mais ouais, mais gars, je te jure, hein, la vodka, c'est de l'eau qui pique. Ah, par contre, le premier qui me dit que la bière, c'est de l'alcool, là, franchement, je crie mes créants. La bière, c'est de l'alcool. Bah oui. J'allais te demander si tu es chaud pour des squats. Bah écoute, c'est tes points, t'en fais ce que tu veux, Alice. Des squats. Une petite brute. Tu joues à Valheim, tu fais des squats en même temps. Moi je propose de faire des squats avec les doigts, ça marche. Des récompenses de mes points de chaîne, donc... Alors attention, ça arrive, hein. Y a du nain gris, du nain rouge, du nain jaune... Du n'importe quoi. Du nain capable, du nain infirme, y'a tout, là. Ah mais je te jure, le jour où on a le droit de faire des blagues un petit peu limite sur Twitch, mais putain, mais je vais tellement d'ailleurs, kiffer. D'ailleurs, je viens de te rembourser des points. Je viens de te les rembourser, Alvis, justement. Comment tu fais pour rembourser des points? Bah, en fait, quand service tu demandes des récompenses et que tu les as pas forcément réalisées, bah, tu peux les du coup, tu peux les rembourser. Ah, je savais pas qu'on pouvait rembourser. Il y a un clic droit à faire sur le truc ou... C'est sur ton panel... modérateur directement sur Twitch. Ouais. Ok, nous y retournons les amis. Alors, donc là il y a une maison, attention, attendez. Là il y a une maison, donc il y a encore des dingueries. Il y a encore des dingueries, ok. Des fois il y a des trucs dans les maisons, notamment. J'ai pété le baril pour récupérer ce qu'il y avait dedans. Dans la maison? Non, à côté de la maison, des fois t'as des tonneaux. Quand tu les casses, t'as des ressources à l'intérieur. Et le coffre était juste en bas. Ouais, bien vu. Il y a des trucs dedans? Je récupère. Trois plumes et je sais plus quoi. Bon, rien d'intéressant. Bon, on s'est fait arnaquer quoi. Ça, c'est la phrase de quelqu'un qui a looté quelque chose de super cool et qui veut pas le dire à ses alliés, ça. Ah non, pas du tout. Là, je crois que c'était de la résine et des plumes. Quoi? Tu as looté la résine? Je suivrai la trace, Floki, pour être sûr. La crypte. Je plaisante. C'est un blague. Y'a pas de système de loot, malheureusement. C'est que des ressources que tu peux avoir dans les coffres. Ok, donc là, c'est le nouveau. Ok. Tu joues à Valheim ou Rastaclo du coup? Ou tu connais pas Ok. Il est derrière moi. Oh, c'est... Il y en a un autre là-bas. Un cœur. C'est le cœur de Stirling.
Il y a un squelette juste derrière la porte. Hello there! Qui a la référence? Pas moi. Le hello there! Général Kenobi! Toi, Vous n'avez pas la référence de ça? Là, ça ne dit rien. Attendez, Obi-Wan Kenobi, Star Wars avec le général Grievous, la scène où il saute. Ok, là, il y a trois squelettes. C'est qui le général Grievous? Alors, non, c'était une blague. Oui, c'était une super blague. Je l'aurais en français, mais pas en anglais. D'ailleurs, alors, je joue depuis le début avec des gens qui jouent bien mieux que moi. Je viens au conseil, du coup. Bah, viens jouer avec nous, surtout. Les gars, j'ai besoin d'aide. Il y a 4 squelettes sur moi. Si là, tu veux, je crois qu'on peut être... Waouh. T'inquiète. Ah oui, là, on est sur un gros, là. Là, on est sur un... Le brise-serre est là pour ça. Voilà. Ouais, depuis tout à l'heure, je mets des coups de cure-dents dans le dos d'Hippolyte. Ah, ok. T'aimes ça, Hippolyte, hein. Oh merde, je te mets des dégâts, mec. Ah bah oui, tu me dis. Attends, on a activé le PVP. Je sais pas. Ah, oh, c'est chaud. Ah, je croyais que ça te faisait pas de dégâts. Attends, mais... Ouh, y'a un verre. Vénère. Ouais, lui il est vénère. Voilà. C'était l'histoire d'un incapable. Non, ça parle à personne. Ok, bon, je me tais. Non, je connais pas. Sérieux? Ouais. Nalbuck? Ah, Nalbuck. Ah oui. C'était l'histoire d'un incapable. Ah, ça me parle pas dans la... Vous êtes dans la chambre funéraire? Nous sommes les nains sous la montagne. On voit le jour, on creuse la nuit. Et on n'aime pas ce lac montagne. Ok. Mais oui! C'est le nain! Comment? Non. Je me verrais bien une petite baraque ici, moi. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas. Alors, attends. Là, il y a un truc. Venez, venez, venez où je suis. Ah! Venez, venez, je vais me faire défoncer si vous venez pas. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive. On run. Parce que là, il y a juste 6 squelettes. Voilà. Et merde, j'aurais pas dû ouvrir ici. Et puis voilà. Je vais refermer. Ah ouais, non, mais avec la masse, la masse elle est cheatée au début. Ouais, contre les squelettes, c'est beaucoup trop fort. Ouais. Bah, il est là pour ça en fait. Ouais, contre les Drake, un peu moins quand même, mais. Oui, c'est sûr que t'es Drake. À moins pouvoir la lancer un jour, ça risque pas de faire grand chose. Bah non, mais les Drake, tu peux les faire au corps à corps aussi. Définitivement. Bah, bien sûr que si. Avec le lasso, tu peux les attirer. Oui, le harpon abyssal. Le harpon abyssal, ouais. Bon, on n'est pas près de l'avoir, mais. Il y a. Oula. Il y a un ghost. D'ailleurs, ça, c'est les monstres les plus inutiles du jeu. Ils drop absolument rien du tout. Ouais. Mais ils sont très chiants. Compétences de farm, non? Ah, il y a des trucs là. Moi j'ai 4 trucs rouges qui ressemblent à. Qui ressemblent à des pierres d'infinité dans. C'est ça. C'est. Avengers. C'est les pierres de Thanos. Ça ressemble au Tesseract en rouge. Mais là, d'ailleurs, le Tesseract c'est quelque chose du. Du monde celte, non? Oui, puisque oui, je crois que c'est lié à l'histoire de Thor, donc oui. Asgardienne, ouais. Ouais. Le gardien du cul. C'est ça. Tout à fait. Bah avec la prononciation qu'on a fini, hein. Ça veut dire le gardien du cul. Il est bien ce donjon, ils l'ont changé, il n'y avait pas de truc en bas comme ça avant, je crois. Si, ça dépend juste, si. C'est général aléatoirement. Je suis jamais tombé sur un truc avec un. Ah, par contre je suis un peu perdu par là. J'ai vérifié, il n'y a plus rien. Non, ouais. Je vous propose pas de faire les grottes de trolls, on n'est pas prêt pour. Les grottes de trolls? Ouais. Ouais, bah... 100% il y en a qui vont mourir. Ouais bah oui parce que du coup t'es confiné en fait. Ouais. Bisous ma vava. Pas le bouclier en bronze pour le... Cœur sur toi. Pour le tanker. Ouais. Ah oui, sans le bouclier de bronze ça va être chaud. Non mais là faut qu'on aille trouver des minerais après. Clairement, faut qu'on ramène masse de minerais. Miner un petit peu de cuivre ici.
Bah ouais, bah ceux qui ont encore de la place, après on, je pense on va faire un des stocks. Vas-y, j'ai de la place, il est où le cuivre? J'ai ping. J'ai pas de ping moi. Je le remets. Là. Moi je vais me faire une petite halte. On est loin du lit. Ouais, je vais me faire. Je vais éliminer du cuivre moi. Je reviens parce que je suis blindé dans mon inventaire, donc du coup, ça va être le compliqué. Il vient de passer dessus, Hippolyte. Ouais, il y avait peut-être un autre gisement à côté. J'ai pas ces avantages. Ouais, bah c'est cool. Mais j'y participerai pas, hein, du coup. Vu ce qui s'est passé. Osef. Quoi, tu participeras pas? Non, non, je parlais de mes modératrices. Ah. Je t'expliquerai. Je suis désolé, Bavard, mais avec ce qui s'est passé, c'est pas la fête non plus. Mais cœur sur toi, ma belle, cœur sur toi. Repose-toi bien. Petit dépôt de cuivre. Oh putain, je suis tombé sur un dépôt de cuivre, mais je suis tombé sur un nid de nain gris, quoi. Il y en a partout ici. Ouais, non, non, t'inquiète, il n'y a pas de soucis. Hein. N'a pas à t'excuser de ne pas avoir été très présente, y a pas de souci. Vous avez blindé de l'autre côté? On a un gris, une étoile, mais je suis en train de le fumer. Tu peux le faire. Je défends Bébert pendant qu'il mine. Merci de pour ta protection. Ouais, il est glitch, le nain gris, il est tombé dans le trou, il sait plus sortir. J'essaie de ranger les coffres, parce que sinon on va en chier pour... Attends. Hop. Hop. Je rappelle aux viewers le concours. Il y a sur Twitter, sur le Twitter de Orion, que vous pouvez aller checker, @OrionLive. Vous avez une paire de lunettes Orion officielle sur Twitter. Orion officiel, pardon, Twitter. Je t'en prie. Orion officiel sur Twitter, vous avez une paire de lunettes Horus à gagner. Tiens, je sors le 15 juin. Ce qui peut être du plus si vous êtes gamer. Voilà, tout à fait. Ou gameuse. Oui, parce que les lunettes peuvent être aussi portées par des femmes. Enfin, c'est ce que la légende, c'est ce que la légende raconte. Exactement. Besoin de mon garde. C'est ça qui est non. Chiant, c'est le tri. Quand tu fais du tri, faut aller défendre la bonne personne d'arcade. Merde. Moi, être tout nu. Enfin, moi, avoir que 3 amis, je crois. Ok. Je suis pas trop deg là. Ok. Bon, j'arrive. Voilà. Je vais en profiter pour réparer aussi. Oh, coccinelle! Putain, ça fait genre super longtemps. Comment vas-tu? Comment vas-tu, ma belle? Plaisir de te voir sur le live. Pourquoi est-ce que j'ai pas de cuivre dans mon inventaire? Ah, si, j'en ai 7. Ah, je t'envoie Vava, Namerk. Voilà, elle vient d'arriver. Ouais, putain, je sais, elle est arrivée. J'ai vu son message sur ton live. Comment ça, coccinelle? Putain, ça fait genre... Je vois pas de quoi elle parle, je mets jamais devant, moi. Imitateur de vent depuis 1992. Voilà. Tous les bruitages de vent. Ah, je ne savais même pas que tu te souvenais de moi. Bah si, tu sais, j'ai une bonne mémoire. Hein. Très très bonne mémoire. J'espère que tu vas bien. Que deviens-tu depuis tout ce temps?
Bah ça va, écoute. Ça va, ça streamouille. Moi, ça streamouille. Hein? T'es plein? Ouais. Faut avoir faire, faut, c'est bien de checker dans les coffres quand tu y retournes, de mettre en tri sélectif. Et bah derrière, je pense qu'il faudra refaire un coffre parce que là, c'est vrai qu'on farme comme des gorées. Mais ça va, j'espère que toi aussi. Passe-moi ta licorne, on fait échange avec mon poulpe. Mais en fait, ma licorne, elle a une histoire. Voilà, ma licorne, elle a une histoire. Si je dors avec, c'est pas pour rien. En fait, je déconne, elle a aucune histoire, c'est juste que je l'aime bien. Voilà. La dernière fois que j'ai vu un mec avoir une histoire avec une licorne, c'était c'était Deadpool et il faisait des choses vraiment pas cool avec la licorne. Okay. Je vais très bien, merci. Bah écoute, c'est cool. Bah écoute, plaisir, hein, plaisir. Ouais. D'ailleurs, vous l'avez vu, ma licorne, je vous l'ai envoyé en photo. Elle est pas trop mignonne, ma licorne d'Arca, sérieux? Elle est très belle. Elle est trop magnifique. Franchement, c'est une beauté sacrée. Vous avez des nains gris autour, faites gaffe. Mon poulpe aussi, oui. Il a une histoire. Sérieux? Bah après, il a peut-être une histoire ton poulpe, mais par contre, il est pas très beau. J'ai jamais vu son poulpe en fait, moi. Bah, elle a mis en photo dans une discussion sur ton Discord. Ah! J'irai voir ça tout de suite, hein, enfin tout à l'heure. Putain d'abruti de Nangri! Oh putain, c'est un niveau 2. Elle va me détester, vu que je viens de dire que son poulpe était moche. Oh merde! Ouais, il fait super mal le niveau 2. Hein. Je suis la seule à vouloir un ours géant de 2 mètres. Alors, j'en avais un à l'époque. C'est un nid à poussière. Ça prend trop de place. Et voilà. Quand vous tapez des sprints tout droit sur des murs, vous courez exactement comme Neo sur les murs. Ah, c'est ça. C'est ça, t'as un... C'est normal, le jeu est un petit peu matrixé, tu vois. Merci, merci, c'est tout pour moi. En one match show tous les vendredis. Attends, hey, Bébert, je crois qu'on est suivi. Bébert, je crois qu'on est suivi. Je savais même pas que t'étais derrière moi. Je crois qu'on est suivi. Et il y a quoi derrière? Ah bah des nains. Oh, ils t'ont vu, ils ont eu peur. Bah ah mec, oui, je reste près de toi. Je suis retourné, pop. Ah ouais, non voilà. Mais je reste près de toi en fait, t'en imposes, hein. De ouf. Ils savent que Bébert Tartare, c'est la légende. Bébert Tartare. Vous allez où les gars? Vous allez vider vos coffres? Enfin, vos sacs? Ouais. D'accord. Là, il faudrait qu'on récupère masse de cuivre. Au besoin, on peut faire les. Non, on fera les fonderies au camp ou on les fait ici? Au camp, non? Ouais. C'est comme mieux au camp. Ouais. Ouais. Parce que ça aurait été bien, tu vois, de faire la charrette pour tout ramener au final. Comme ça, la charrette, on peut la déplacer. Limite, si on arrive à en faire deux, on peut ramasser masse de composants, quoi. Il faudrait. 3 cœurs. Ah, les cœurs, on les a. Je sais pas du tout comment vous craftez tout ça là. J'avoue, Baba, hein, la personne qui a dit que ton poulpe est moche, franchement. Ouais, y'a pas de respect. Alors, franchement, c'est, je veux dire, c'est petit, c'est. On a la base. Nous perd ça. Juste, elle est où la petite maisonnette qu'on a créée? Tu l'as sur la map. Si t'as fait un lit. Et là où y'a Hippolyte. Là où y'a Darka, juste ici. Là ah où il oui, y a Hippolyte y a le sodomite, okay. Qui je le rappelle, ouais, je suis juste à côté. Bientôt sur Netflix, Hippolyte le sodomite. C'est moi-même. Ah, je vois que il y a un agrandissement de la maison en cours. En sachant qu'il faut faire un four à charbon et il faut faire un four à composants. Hippo. Ouais. Tu veux pas l'agrandir plutôt à partir de là carrément? En tout cas, complètement. Ceux qui veulent nous rejoindre sur le jeu, vous pouvez. Hein. Ça fera plus joli. Pas forcément plus joli, mais. Ah, quoi qu'on risque d'avoir un problème avec le plafond. Non. Oh non. Ah non, il suffira de l'agrandir. Ouais, faut que je vais régénérer mon truc, Bébert. Non, mais il y aura pas de problème avec le plafond du tout. Non, t'inquiète. T'as fait quoi au plafond? J'agrandis la maison pour qu'on puisse stocker plus de choses. Au final, ça va être un palais le truc. Le camp va être plus grand que le camp initial. Surtout qu'il n'y a pas vraiment besoin, on a fini la forêt noire. Enfin, sauf pour le cuivre. Pour le côté stylé. Mais c'est vrai qu'elle est plutôt sympa. Bah ouais, moi je suis d'accord avec lui. Non mais laissez-nous faire des maisons. Après, il y a une régène, hein, des.
des donjons tous les je sais plus combien. Normalement. J'ai jamais testé. C'est pas au bon endroit. Alors, je crois qu'il y en a un qui est suivi par des dingueries, non? Putain, j'ai un dépôt de cuivre. Personne n'a du respect envers moi. Hashtag visé, na merde. Si, moi j'ai du, mais, j'ai du respect pour toi, Vava. La coccinelle, elle parle plus du coup. Vava. Tu l'as le jeu coccinelle je ou pas? Je plaisante, Vava, je plaisante. Est-ce que tu as le jeu Valheim? Il a dit ça comme, comme un allemand. Valheim! Valheim. Est-ce que tu joues à Valheim? C'est un très bon jeu. Eh, j'en ai marre, faut que je me fasse une arme, hein. J'en ai marre du pic à brochette là. Tu joues pas à la hache? C'est plus pratique en hache en silex au début. Hein. Pour les ennemis? Oui. Ah ouais, j'avoue. Bah, je leur fais un peu plus de dégâts avec la lance, tu vois. Ouais, mais elle consomme beaucoup plus d'endurance. De ouf. Voilà, non, je ne joue pas au jeu de bébé. Jeu de bébé ouais, c'est absolument pas un jeu de bébé, mais si tu veux. Hop. Il n'y a aucun jeu vidéo qui sont pour les bébés. Parce que même un gars de 35 ans, il rejoue à Dibou, il va kiffer. J'ai un petit doute, mais ouais. Comment te dire J'ai un léger doute. Hein. Je t'aime bien, Darkia. Paul mais... joue à Dora l'exploratrice, et alors c'est pas vrai. Je sais même pas s'il y a des jeux. Je sais que My Little Pony, il n'y avait pas de jeu. Eh bien, je t'embête un peu depuis le temps. Bah grave. Ouais, mais tu regardes un jeu comme par exemple Animal Crossing, c'est un jeu qui a été très tourné pour les enfants à la base, et t'as des gars comme Squeezie ou autres qui jouent, qui font des lives dessus. Donc, un jeu de bébé, pour moi, ça n'existe pas, en fait. De toute façon, je vous laisse pas le choix. Sur cette discussion-là, j'ai raison, de toute façon. Oh là là, oh l'extrémiste, oh là là. Oh là là. Bon, de toute façon, là, du coup, je vais retourner à la base. Il y a une veine de cuivre ici, il faut que je la note. Parce que du coup, elle peut potentiellement respawn. Oui, elle peut potentiellement respawn. Voilà. Bon, la forge, je vais en faire une provisoire, hein, parce que ça prend de la place. Ouais. Oui, on la démontera, et puis... Ouais, alors, attends, avant... Parce que je crois qu'il... Ah, t'es retourné à la base? Moi, oui. Oh putain! Putain, le mec il est déter quoi. Bah, j'ai utilisé le pouvoir d'Ectir et je suis rentré très vite. Hein. Juste que je me vide un peu les poches. Putain, comment dire? En infériorité numérique sur mon stream, du coup, il y a. Ce qui parle, il y a que des nanas. Pas de blague. C'est pas très sympa pour Nightbot. Hein. Nightbot, c'est une femme. J'ai décidé que c'était une femme. C'est pas mal ce que t'as fait. Moi, j'aime mon Nightbot, il est non binaire. Il est non binaire. C'est pas mal ce que t'as fait. J'aime bien, je trouve qu'il y a. Moi, mon Nightbot, j'ai décidé que c'était une chauve-souris. Ça marche aussi. Ah putain, et j'ai cru que c'était de la flotte là où on est. Je me dis putain, pourquoi il y a de la flotte ici? Mais en fait, c'est du brouillard. C'est de la brume. Ouais. La brume. D'ailleurs, on dirait de la flotte. Quand t'arrives ici, tu dis putain, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Du bois qui traîne. C'est une zone aquatique. T'as pris le cuivre du coup en partant? J'ai pris ce que j'avais sur moi. D'accord. Allez, 14 cuivres. On va mettre la caillasse. On va mettre la caillasse. Ok. Hop. Une mauvaise nouvelle à vous annoncer, il y a un troll qui arrive sur notre maison. Aïe. Ouais, ça arrive. C'est des choses qui se passent. Il est bloqué dans les arbres. Eh bien, t'inquiète, on va s'en occuper. On va l'accueillir.
Ah bah il est là. Ouais, je sais. OMG. Il veut mon cul, hein. Je suis chaud d'avoir de l'aide, Bébert. J'arrive, mais c'est parce que... Tu peux le faire. J'arrive. Mais j'ai plus quoi manger, alors, et je suis affaibli. Tu joues à quoi, du coup, Coccinelle, en ce moment? Alors, t'es où? Dors, tu verras le gros machin bleu qui est en train d'essayer de me tuer, normalement. Désolé. Le fais pas bouger, s'il te plaît. Ah bah je suis obligé, sinon je meurs. Non mais oui, non. Pas grand chose. Attends, j'essaie de lui mettre une flèche dans le fion. Essaie de lui mettre dans la tête, ça lui fait vla les dégâts. En vrai, dans le fiac, ça lui fait pas mal de dégâts. Ah. Je vais aller me coucher, du coup je te dis bonne nuit, Namerk. Merci Elvis, bonne nuit à toi, merci de ton passage. Et à la prochaine, peut-être à demain. Merci Elvis, rock and roll. Oh merde. Pardon, excusez-moi. Je croyais que c'était du reggae. Elvis ? Je plaisante. Ah, la tête, ouais, ça fait aussi. Ouais ! Il m'a jeté une pierre ! Waouh ! Moi, j'ai fini au couteau. Je vous laisse le loot. Ah, bon, on voit son anus. Qui est assez. Ouais, je veux bien de la peau de cuir. La peau de troll. Même dans les coffres. Ça, tu peux ramasser aussi ce qu'il y a là. Regarde, les trucs qu'il y a ici. Chardon. Ah oui, je sais, bah ça jouait. On ramasse tout, on fait du stock. Tu joues à pas grand chose. C'est triste. Et bon live à vous. Merci Elvis, merci. Merci à toi Elvis. Hop. Je me demandais ce qu'elle faisait comme construction pour la maison. Et les piastres sont là. Je crois qu'Elvis. Elvis, ouais. Quoi? C'était magnifique. Tiens, vous voulez venir. C'était une blague. Vous voulez venir chercher du cuivre ou pas? C'était. Ouais, bah vas-y, on va venir chercher ton cuivre, y'a pas de problème. T'as eu des soucis de PC? Ok. Vas-y, je fais tourner mon cuivre. Je suis comme ça. Alors attends. Mon cuivre. Robert, j'ai détruit ton lit, reconstruisant un. Oh, tu l'as appelé Robert. Non mais le pire c'est qu'il t'a appelé Robert quoi. Tiens Bébert, je t'ai reposé un lit là. Il se rattrape. C'est ça. La maison est belle hein, de l'extérieur elle est magnifique. Ouais écoute. Bah ouais mais c'est parce qu'on l'a faite à deux. De l'intérieur on dirait le trou de balle. L'intérieur elle a été faite par... Vous l'avez faite à deux? Vous l'avez faite à deux? Et l'extérieur oui. Ah je croyais que vous l'aviez faite en bois. Oh. Et bah ça part en dislike. Oh la grave. Faudrait un bot qui analyse automatiquement nos blagues et qui les juge. Elle me dit Namer que tu iras voir Discord. Alors après si tu m'identifies sur mon live, je suis pas sûr qu'il voit. Mais apparemment Namer que tu es. C'est bien, on se passe des messages tu vois entre streamers des trucs. Non mais j'ai vos lives d'allumer hein, donc je vois ce qui se passe sur vos chats. Hein. Oh là là, il fait du stream hack. j'irai voir. Fais gaffe à ce que t'as fait, mais... Faut arrêter de me pousser, Bébert, ou je vais être obligé de te tuer? Parce que j'aime me coller à toi. J'ai horreur de ça. Je pensais que notre relation le permettait. Je déteste le mot... sauf-fruit. Ouais, j'avoue. Ah, mais... Oh là là, mais... On dirait une marque de jus de pomme. Elle a mis son poulpe encore en photo. Comme si une fois c'était pas déjà assez d'avoir une fois ton poulpe en photo. Oh tes souhaits, merci de rien. On va aller le brûler. Ça doit bien faire, ça doit être pas mal en petit feu de camp le poulpe. Le coup, ah, rien. Yes, bisous. Par contre, bisous. Ça me fait vraiment beaucoup de dégâts parce que tu viens de m'enlever énormément d'HP. Désolé, c'est un accident, c'est en revenant sur l'écran de jeu. Non, tu m'as tiré dessus volontairement, oh. Je pense.
Non. C'est l'écran de jeu. C'est toujours de la faute de l'écran de jeu, il faut le dire. Ouais. Des gros bisous, ma Vava. Je te dis à demain. Bonne nuit, Vava. À tout à l'heure, en l'occurrence. Repose-toi bien, Vava. Putain, j'ai des bambous à faire tout à l'heure. Ouais, je sais, ça fait bizarre. Mais, faut que je dessine une forêt. Essaye d'embellir ton poulpe dans la nuit. Faut que je dessine une forêt de bambous aujourd'hui. Montre-moi une peluche qui ressemble à un perroquet et là je te dirais qu'il est beau. Ah, t'es fétichiste des perroquets, c'est ça? Qui ça? C'est ma passion, on va dire. Qui ça qui mais vraiment, c'est pas une connerie. J'ai des perroquets chez moi. Non, mais c'est pas une connerie, il est vraiment fan des perroquets. Non, c'est pas une connerie, si tu veux, je te poste une photo sur le. Ah non, mais je te crois. Ah bah bravo, ça connaît même pas ses potes. Oh là là. C'est honteux. C'est honteux, hein. Je suis choqué là. Ah, je sais ce que t'es en train de préparer là. Une cheminée, ouais, pour mettre un feu. Ah, mais les gars, vous êtes vraiment en mode petit dortoir et tout. Ah, mais moi je fais les choses bien ou je les fais pas, hein, donc. Et puis en vrai, je crois qu'on a les. Qu'on aime la même chose avec Dark, c'est que. On aime bien faire de la construction. Non mais moi je veux farmer etc, mais je veux que si jamais on a besoin de se téléporter, parce que par exemple on a besoin de venir farmer du bois. Putain, c'est ça qu'on aurait dû faire, un téléporteur. On peut pas encore. Enfin si, non, on peut pas encore. Ah bon? Non, il faut la hache en bronze pour pouvoir couper le boulot pour avoir. Ah oui, exact. Donc faut qu'on fasse le deuxième boss. Non, faut juste avoir une hache en bronze pour couper du boulot. Donc, what? Faut qu'on fasse le bronze, d'accord. Y'en a merc. Ah, c'est toi qui viens de le faire? Oui, c'est moi qui. Parce qu'on va le faire différemment en fait. On va la faire à la, vers que l'intérieur. Vous venez de s'écrouler? Non, mais vers l'intérieur ce sera beaucoup plus classe. Ah oui, je vois sur le live, vous êtes chauffé de ouf. Là, dans 10 minutes, ils te refont Versailles, hein, direct. Hein. Non, mais je... mes seuls skills sur Valheim, c'est la construction. Du coup, je les mets à profit du groupe. Et c'est tout à ton honneur, cher ami. Tout à ton honneur. Ok. Donc là... Non, c'est stylé. Franchement, j'aime bien. Hop. Tellement reposant ce jeu, je trouve. Putain, j'aime bien, je retourne à la base, je dis je vais réparer, j'ai complètement zappé de réparer. C'est... C'est la brume. Si tu veux rejoindre le Discord, Coccinelle, tu fais point d'exclamation Discord, je crois que le lien est à jour. Non, c'est point d'exclamation event, t'as changé Orion hier. Ah bon? Non, mais j'ai quand même gardé le Discord, je crois. J'en ai plein, hein. T'as point d'exclamation Twitter, point d'exclamation Insta. Ça, tu me dis, mais normalement je crois que c'est le bon lien.
pas mettre celui-là pour qu'on puisse quand même faire griller quelque chose. Oh putain, j'avais pas vu, il y a un cham. Il y a un chaman qui est en train de griller notre maison devant là. Ouais, je suis en train de me faire griller aussi. Alors je sais pas si tu me considères comme une maison, mais. Ou j'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Il y a deux chamans. Il y a une invasion de dingueries là, devant la maison. Mais t'as fini le toit ou ? Oui, oui. Ah bah t'as du mal le faire. Pourquoi ? Bah parce que le feu il prend pas. Ah non, j'ai pas mis un toit au-dessus du truc. Ah. T'as du bois sur toi ou pas ? Ouais. Vas-y, essaie d'aller le... Fais-le, finis-le. Ok. Les gars, si vous voulez venir mes deux, je suis pas contre en fait. Ouais, ouais, je régène ma vie. D'accord. Et je suis là. J'ai plus de stamina. Il n'y a pas valide, c'est quoi streamer ? Fais point d'exclamation, event. Non mais c'est parce qu'en fait on a refait le Discord. Il y a pas longtemps. Et il y en a qui ont fait des redemandes de liens, qui ont écrasé les liens, donc... Ok, on se fait défoncer à la maison. Je t'avouerai que... à cause de Darka, on fait des... le bâtard. On fait des streams de 12 heures, donc j'ai pas forcément le temps de checker ça. Donc là, normalement, c'est le bon lien de Discord. Ouh, ça fait mal. Ah, il me reste plus d'HP, je vais crever. Ouais, ça commence à être temps à être critique là. Vous êtes où les Jones là? On est deux, on se fait tuer. Toujours à la base, je m'occupe de faire fondre les minerais. Ah bah nous aussi on est en train de fondre là. Et je suis un peu loin pour venir vous aider. Ah oui, bah c'est clair. Mais moi avec mon équipement, en vrai je leur fais que dalle comme dégâts. Bah si t'as un arc, hésite pas. Ah, tu... pas faux, je peux faire comme ça. Mm. Parce que là, ils ont tué Hippo. Hein. Alors. Il a fait un Hippo flip arrière, il est mort direct. Je suis entièrement décédé. Par contre, ils m'ont pas proposé de réapparaître à la maison ou ici. Hein. T'as pas. Ça, c'est quand tu fais E sur ton lit. Ça. Si, j'ai fait E sur mon lit. Oui, mais du coup, t'as changé ton point de spawn. Tu peux avoir qu'un seul point. Et tu peux pas choisir quand tu meurs où tu peux respawn ? Non. Ah bah ça c'est de la merde ça. Ah bah c'est RP. Ça serait un peu trop facile. Non, parce que RP, quand tu crèves, tu crèves. Non mais il a raison parce que par exemple dans les jeux comme Ark, tu peux choisir où tu spawns en fait. C'est vrai qu'il va vite falloir qu'on commence à développer la cuisine, parce que là, l'endurance, ça va pas. Lâche-moi ! Bah, dès qu'on pourra avoir un cultivateur, on pourra planter les carottes. Ouais, le cultivateur, ça va être... Save the life, quoi. Ouais, il bouge trop à l'arc, c'est la merde, putain. Ouais, c'est la merde complète. Hein. Bah, c'est que l'arc est pas assez rapide. Après, une fois qu'il sera assez rapide. Voilà. C'est très gêne. Comme ça.
pourrait être sympa à faire, c'est une... C'est une tour d'archer en colonne autour d'un arbre. C'est effectivement pas mal. C'était un raid hein, qu'on avait, hein. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de monde. Ah, ok. Pour qu'on passe au jour 31 à la mort du dernier mob, c'était ça. Voilà. Donc on s'est fait raid. Okay. On a la charrette. C'est vrai ? Cool. Ouais. Ah, oh, t'es un tueur. Comment t'as farmé ce truc ? Bah, avec le. J'ai fait fondre le minerai qu'on a récupéré. Ok. C'est une grande nouvelle, on va pouvoir amener la blinde à la maison. Bah, il en faudrait. Faut qu'on arrive à en faire 2-3. Faudrait qu'on arrive à replanter aussi. Ce serait cool qu'on mette des arbres dans la prairie parce qu'elle commence vraiment à se creuser. Je peux t'en faire 2 si tu veux. Bah, fais-en 2, ouais, nickel. Mais je peux pas ramener les 2. Non, non, t'en ramènes. Tu peux prévoir de ce qu'il faut pour en faire une. Oui, oui. Et la construire ici. Même tu peux construire limite les 2 ici. Hein. Ouais, j'avoue, si tu construis les 2 ici, tu gagnes du temps. Hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. J'ai gardé 20 clous sur moi. C'est 10 clous par. Et voilà, oui. La cheminée. Elle 10 clous est et 20 bois par charrette. Yes. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais revenir direct. Comme ça, on peut prendre masse de métal, masse de cuivre. Commencer à. Bah pas trop non plus parce que ça respecte la physique du jeu, hein. Si tu laboures trop, tu fais du surplace. Hein. Ah bon ? Oui. Oui. Bah moi je l'ai chargé à balle et franchement ça a l'air. Bah tu verras qu'on pourra faire un test, hein. Mais genre si tu mets vraiment trop de kilos, voire des tonnes, tu fais du surplace. Faut juste que j'aille farmer du bois. Que vous avez 20 bois là, enfin 40 du coup. Ouais, y a ce qu'il faut en autour. Y a ce qu'il faut autour en bois, t'inquiète. Hop, ça le pose. C'est bien volant. Hein. On a une petite maison secondaire bien sympathique. Hein. Ouais. Oh, y a un bébé nangri qui essaye de m'attaquer là, il y croit vraiment. J'ai combien de minerais, putain. Ouais, je pense que je vais avoir 60, 70 de cuivre là. En tout. Ah, la veine a été vénère. Ah, je peux plus en ramasser. Ok. Ouais, propre la petite maison, j'aime bien. Faudra ramener un peu d'étain aussi. Ouais, j'ai pas trouvé de truc d'étain, mais. C'est au bord de l'eau. Ah oui, c'est vrai. Ouais, je vais y aller après. Je vais y aller. C'est le moins chiant à farmer. L'étain ? Ouais. Bah, le cuivre en soi, quand tu trouves une grosse veine. Bah, quand tu trouves un. Je me viens de guillemets un gisement d'étain, tu te fais 3 à 4 étains. Et puis, t'as pas les pierres et les conneries en plus. C'est pour ça que j'y suis moins chiant. Ouais. Non, c'est vrai qu'il nous faudrait un peu plus de cœur de sterling. Ouais. Parce que là, un four et un fourneau, c'est pas pratique. Bah, on va penser, puis après t'en as qui en rapportent plus des donjons. Quand ouais. Tu t'avances dans les terres. Tu
petite priorité, faire une hache en bronze, comme ça on a du bois précieux et du coup on peut faire l'arc en bois noble. Grave. Et l'arc en bois noble, il va nous carry le deuxième boss. Ouais, clairement. Puis faire une bonne dose de flèche enflammée, c'est oui. Mm. En sachant sur les dépôts de cuivre, faut pas hésiter à creuser la sol, le sol un petit peu. Ouais. Là par exemple, j'aurais besoin de d'Arca. Ouais. T'es dispo ou pas? Attends, je finis ce que je suis en train de faire et je suis disponible. Yes. Parce que je crois qu'à mon avis... Ouais. Putain, j'ai trouvé une mine, elle est énorme. Dépôt de cuivre énorme, quoi. Et là, Darka, la technique que tu es en train de faire, elle va être très utile pour le biome 3. Si jamais. Ah bah ça c'est bon ça. Ah ouais, la veine que j'ai trouvée de cuivre, elle est énorme. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur le jeu si vous voulez. Jeu vidéal. Si. Mettre un truc pour réparer près de la mine, comme un truc de mieux. Parce que ça se casse très très vite. Très très vite. Bienvenue à l'auberge. Si. Hop là. Ah, moi c'est bien, j'ai mon petit lit, j'ai mon lit près du feu. Voilà. Non mais pour le reste du stream, va pioncer dans le lit dans la maison. Exactement. Le RP dodo. Voilà, nickel. Ok, alors... En plus, en soi, je vais pas forcément non plus très tarder, donc... Ah, moi je vais tirer jusqu'à 3-4 heures, je pense. Je pense que je vais aller tryhard quand on aura quitté Valheim, je vais aller tryhard avec Nitro le jeu pour refaire de la classer un peu. Ah, Knockout. Ouais, ouais, je vais. J'ai vraiment envie d'essayer de faire un peu de compète dessus, il me hype de ouf. Vas-y, je vous suis. Hein. Je croyais que t'allais te coucher. Non, mais je vous suis dans l'idée de faire de la compète. Non, faut que je sois un peu raisonnable. Ouais, réseau quoi? Oui, je sais même pas pourquoi je dis ça. Oh la veine de cuivre que j'ai. Franchement, je crois que là, en une veine de cuivre, on aura ce qu'il faut. Hein. Ça consomme beaucoup. Hein. Ouais, mais elle est vraiment. Une veine, ça suffira pas. Là elle est vraiment gigante. Non mais au début je parle. Pour 4 boucliers c'est 42 cuivre. 42 bronze. Donc x2 ça fait 80 de cuivre. Non mais là elle est énorme. Donc là j'ai construit une petite plateforme.
sur laquelle on va pouvoir se caler pour tirer à l'arc et shooter les dingueries. Et on est suffisamment haut pour pas qu'ils nous shootent à leur place. J'ai juste peur qu'un troll te défonce mon truc en fait. Il est bon ce petit Hippolyte. Ouais, mais même ça fait un peu le côté sympa, tu vois, genre forêt noire, petite plateforme de tir à l'arc autour d'un arbre. En vrai, ce qu'il aurait vraiment fallu faire, c'était des... On aurait pu l'entourer de palissades. Ouais. De toute façon, moi je m'en fous parce que d'abord j'adore ça. Voilà. J'ai pas... Non, mais en vrai, c'est bien quand même. C'est bien ce que t'as fait. Mais je pense qu'on devrait rajouter une palissade, je sais pas ce que t'en penses. Bah à la limite, le mieux ce serait d'entourer la baraque de palissade. Mais bon, là, vu qu'on est sur la forêt noire, c'est juste pour looter le bois dur. Le bois robuste, pardon. C'est pas. Y'a plus grand chose à faire ici à part cuivre et bois dur. En fait, y'a carrément des trucs à faire. Quoi. Ok, hop. Putain. Oh, y'en a partout. J'arrive avec les charrettes là. Super. Hein. Il va falloir surtout ça, on va pouvoir tout ramener à la maison. Il va falloir surtout du monde avec des pioches. Ouais, faut miner déjà. Pas où t'es, regarde sur la map. Ok. Je vais te filer un coup de main pour le minage. Voilà, oui, il faut qu'on soit tous les quatre, hein, parce que vu le là, la mine de cuivre que je suis en train d'open là. Tu vas voir. Toi, tout ça c'est du cuivre, hein. Tout autour, toutes les pierres brillantes là. Je suis en train de déblayer un petit peu. Je crois qu'il y en a là aussi. Ouais, tu vois, il y a une veine là aussi. Mal. Oui, j'ai mis les charrettes à la maison. Ouais, bah tu peux en ramener une là, au pire si tu veux poser là à côté du. Bah j'ai peur que des dingueries là. Ah ouais. L'attaque en fait. Bah de toute façon, faudrait qu'on s'y mette à 4 pour piocher dans l'idée. Comme ça, on va beaucoup plus vite et on ramasse tout le masque de cuivre. Au pire des cas, on récupère les ressources. Non, 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 reviens, reviens, reviens. Non, 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 non. C'était pas prévu. C'est vraiment une petite excavation, tu sais, avec l'échelle et tout. Ah, ça fait vraiment mine, quoi. Mm. C'est ouf, il y en a partout, hein. Ouais, ouais, bah il y a des... C'est coup de chance de choper des trucs aussi gros. Attends, tu verras, t'en as des plus petites, hein. T'en as des fois, tu mets trois coups de pioche, y'a plus rien. Moi je viens d'arriver, j'ai presque une dizaine de morceaux de cuivre. C'est des veines, tu vois, je pense qu'il y en a une derrière, là, regarde. Une grosse veine. Cette phrase était bizarre. Il y a une énorme morceau de cuivre au-dessus de ta tête, Jean-Paul. Ouais, je vois ça. Je vais chercher de l'étain. Ouais. Aussi. Essaye de l'allumer. Dédicace à Coxy, 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 Coxinelle.
Attends, par contre, ouais, la stamina, c'est chiant. On a de la résine dans la maison. Ouais, il y en a. J'en ai chopé pas mal. On en a chopé pas mal. Ouais. Et est-ce qu'on a du bois? Non, on a que du bois robuste. Toi, faut que tu chopes les petits sapins autour. Ouais. Parce que je vais faire une technique pour les trolls. Pour les niquer? Ouais. Tu veux faire quoi? Une technique de faible, hein, mais en gros tu rentres dans la grotte, tu leur tires 2-3 flèches, tu ressors de la grotte, t'attends qu'ils retournent au fond de la grotte, puis tu rentres et tu fais ça en boucle. Ah ouais. Parce que lui il loot beaucoup, je crois. Ouais, ils font très mal surtout. Et ouais, du coup c'est pour les pots de troll pour qu'on ait une armure. Ouais. Oui, parce que le deuxième boss sinon on va se faire arracher la tête. Bon, on pourrait alterner entre armure en bronze et armure en troll. Ah, tu vas faire les armures en bronze aussi? Pas au début. Au début, on fera les outils. Ouais, bah oui, c'est le plus important. Ouais. Et après, avec le reste, on fait les armures. Toujours obligé de faire le truc réaliste. Tu vois, par exemple, l'atelier avec des petits supports. Je trouve ça trop classe. Ouais, ça tue. Ça fait beau, ouais. Après, moi, quand je monte les échelles, je suis absolument pas RP, quoi. Oh putain, et la veine là, attends, faut que je regarde jusqu'où elle va. Attends, je me régène. Il y a des potions aussi pour régénérer la stamina, je crois. Ouais. Il nous faut le chaudron pour ça. Ouais. Et le fermentaire. Moi, j'ai des pieux acérés en modèle, en plan. Oui, ça c'est pour mettre contre les palissades et les ennemis quand ils tapent dessus, ils prennent masse de dégâts. Ah. Ça, c'est vachement efficace ça. Oh non, on a pas de silex j'imagine. Si. Moi j'en ai voilà. Dans les coffres je crois. 9, il m'en manque un. Attends, par contre la charrette, je pense qu'elle va tomber. Attends. Vous avez pas un silex sur vous? Non. Non. Non, faut aller près de la meilleure. Attends, je vérifie. Non. Je sais pas si on peut en trouver en forêt noire. Non, c'est juste près de la mer. C'est au bord de l'eau. Tu me dis quand t'as fini. Enfin, quand je dis en forêt noire, au bord de l'eau, en forêt noire. Est-ce qu'il me faut un établi rang 2 pour les flèches enflammées? Il y en a un dans la maison de... Oui, mais j'ai pas trop envie de retourner. J'avoue. Juste pour faire des flèches de feu. Sachant qu'il manque juste un silex. Oh mec, la veine elle est monstrueuse là. Je sais pas jusqu'où elle va, mais. C'est vrai que c'est assez monstrueux la taille du bordel. Ouais. Bah là, tout ça c'est du cuivre. Hein. Là en dessous là. Il y a masse éteint au bord de l'eau. Ah ouais? Ouais. Ah, ça tombe bien, parce qu'il va falloir masse. Hop. Non, il n'y en a pas du silex au bord de l'eau. En forêt noire. Vécu en prairie. Hop. C'est qui manquait. Il y a eu un petit accident. Oh merde! Qu'est-ce que ça fait? C'est pour ça qu'il me dit l'établi. Ah bah non, mais je vois le bois qui est tombé sur l'établi. Ah, je peux pas l'atteindre, la merde. C'est bon, merci.
Les rondins de bois robuste, ça sert à quoi? Ils ont quoi de particulier? Permettre de la déco. Crafter d'autres trucs. C'est pour certains crafts et aussi pour les poutres. Un peu plus. Métallique? Non, les. Ouais, aussi, je crois, mais c'est pour les. Comment dire ça? Pour les poteaux en bûche. Ah oui. Où on peut faire un chalet avec. C'est vachement mignon, ouais, ce que tu peux faire avec les. Ouais. Je m'en étais fait un à la montagne, il était vraiment stylé. Surtout que ça résiste au. Thermique. Ces poteaux-là résistent à. Tu sais, ils perdent pas de durabilité avec la pluie et toutes ces conneries. Toutes ces conneries. Oh, la mer qui se gave en construction, c'est juste trop beau. Bah, à la montagne, ça, il neige beaucoup, du coup, le bois normal. Le bois normal, il se fait. Éclaté. Alors même un petit atelier en deux. Pas de résine, ce qui est un problème. Putain, dis-toi, tout ça, c'est une veine, quoi. Et je crois qu'elle continue en fait par là. Oh non. Hop, sans flèche de feu, ça devrait me suffire. Hop. Il te reste un peu de résine ou pas? Oui. Non. Il en reste un. Venez, on fait passer la nuit, non? Parce qu'on voit que dalle là. Attends. T'as du bois ou pas sur toi? Moi? Mmh. Ouais. Je vais mettre des palissades pour protéger la charrette. J'arrive. On va mettre des palissades avec une double porte. Attends. Je vais la pousser. Bien. Yes. Voilà, comme ça pendant qu'il y en a qui loot ou qui farm, quelqu'un peut protéger la maison. Il manque plus que des AK-47 et on sera bon. Ouais, je prends en un vrai, elle est pute. Ah, elle est magnifique notre baraque, elle est magnifique. On a fait un truc vraiment stylé. Elle est très sympa. Non, elle est pas très sympa, elle est magnifique. C'est le connard. Sublime. Me faire un troll. C'est vrai qu'elle est de toute beauté. Elle est vraiment de toute beauté. J'adore la petite structure sur le sur l'arbre. Sur l'arbre, c'est stylé pour faire le. La vigie. Pour tirer sur les gens. Bah tiens, vas-y boss. Bah quoi? Bah tu vois pas qu'il y a un ingris juste en dessous de toi? Non. Attends. Regarde, il arrive. Ah oui, il le voit. Il est en dessous de moi, cet abruti, je peux pas lui tirer dessus. Ah, il arrive.
Il est vraiment en dessous de moi, quoi. Je peux pas. C'est ça. Ah, c'est bon, je le vois. Ah ouais, ah c'est vraiment stylé. Vraiment. Là, il essaie de m'attaquer, mais il... ça le saoule en fait, je crois. J'ai fait un 360 scope. Il va me tuer, il me reste 2 HP. C'est bon, je viens de le finir avec ma flèche. GG. En vrai, là, la petite, le petit couloir qu'il y a, on peut se mettre aussi à l'intérieur et on n'est pas touché. Que je viens de faire. Une très belle baraque. Félicitations à tout le monde. Bah nous on a rien fait. Si, vous avez été dans nos cœurs. C'est beau. C'est beau, je suis ému. Là. Putain, mais Odin, elle fait tellement de bruit, t'as vu? Odin. Il a quoi le repas de Noël cette année? Odin. Alors pour Noël, il y a 2 ans, j'ai bouffé un plat qui vient de chez moi, mais ils ont rajouté du truc dedans. On a mangé du chamois au chocolat. C'est bizarre. Original. Chamois au chocolat. Alors non, c'est assez répandu maintenant que la viande peut se manger avec du chocolat. C'est très bon. Alors c'est pas du chocolat Franprix ou Milka, c'est du vrai chocolat noir. En sauce pour ta viande, c'est délicieux. C'est vraiment un putain de délice. Pas ah ouais du tout sucré. Ah ouais, ça donne un goût à ta viande, c'est monstrueux. Faut que je teste. Et en l'occurrence du chamois, c'est une viande qui est très bonne. Un peu, c'est du gibier, hein, donc c'est fort. Mais avec le chocolat, ça adoucit pas mal. Ok, il y a une brute dinguerie. J'ai une brute dinguerie sur moi et elle est buggée, je crois, vu qu'elle peut pas monter à l'échelle. Ah oui, ils sont un peu débiles les ennemis. Quand t'as des trucs en hauteur, ils attendent que ça se passe. Aide, t'inquiète. Ouais, il tape le bas de l'escalier, mais il peut pas toucher le haut. Qu'en vrai, c'est over-cheaté en fait, une plateforme comme ça là. Si t'es un troll, ouais, et puis tout à l'heure, regarde, j'étais ici. Et il pouvait pas te toucher. Et le mob, il était juste en face de moi et il pouvait pas me toucher. Bon, par contre, en vrai, là, t'as un troll qui arrive, il te démonte tout le troll. Ah bah c'est sûr, hein, il te tape dans la boîte à Benko, c'est fini. C'est dégueulasse. C'est pas moi, c'est le troll. Bon, bon, bon. Et moi, Bébert, il est au lit. Hein. Ok, j'arrive. Ouais, j'avoue, faire passer la nuit, ça peut être pas mal. On a un peu marre de... Le jour vient de se lever. Sérieux? Bah... Oui. Ah oui. Bon, on se réveille. Ouais, je reviens dans 2 minutes. Ouais. Je reviens dans 2 minutes. Moi, je retourne à l'heure. Voilà.
Salut. Comment est-ce que chica? Ça va? T'étais sur Rust? Des douanes. Oh putain. Ma pauvre. À 2h. Ça a donné quoi? T'as refusé des gens? Bah, y'en a aucun qui les a eu. Attends, t'entends super bas par contre. Je sais pas si. Elle dit, y'en a aucun qui les a eu. Sérieux? Oui, ils sont en seconde chance quoi. Mais vas-y, tranquille, demain ils l'auront. J'ai confiance en nous. Putain, c'est chaud, t'avais combien de personnes en tout? Je sais pas, une dizaine. Une dizaine, y'a personne qui l'a eu? Ah ouais. Mais ils l'auront demain. Ouais. Demain, je leur passe de l'autre piste. Demain, je leur ai dit que c'était là. C'est un plaisir, tu fais des gros bisous, prends soin de toi, et à bientôt peut-être. Bah écoute, à bientôt, Coccinelle, à bientôt, au plaisir. Après, j'ai toujours le même problème, c'est que avec le monde, c'est ça le truc, c'est juste ça. Demain, je leur ai dit, alors je leur ai dit, ce soir, vous m'écriviez 100 fois le règlement entier, et demain, vous me le récitez par cœur. Ça, si tu leur as dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Putain, je rigole s'il y en a un qui l'écrit vraiment 100 fois, tu sais. Mais non, j'ai pas dit ça, t'es fou. Maîtresse Chloé, attention. Non, mais après, tu peux pas accepter tes whitey sinon. Tu peux monter un tout petit peu ton son, par contre, je t'entends vraiment super bas. Et j'étais à fond sur le Discord. Je t'ai mis à 200%, je l'entends pas très fort. Ouais, je t'ai mis à 200% et je t'entends très 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 bas. Ok, je vais revenir. Ouais. Ok. Est-ce que c'est mieux là? C'est pareil. Ne me dis pas non parce que je vais vous donner. Bah, c'est pareil. C'est la même chose. C'est mieux. C'est Vas-y, c'est bon, vous fatiguez le cerveau. Et là c'est mieux putain. Un petit peu. Bah là vu que tu cries oui. Ok. Ah là c'est mieux là. Ah, ah là c'est parfait. Bébert. On a de la visite. T'as je mettre à la la. My ding ding dong. Putain c'était tellement la musique troll sur vous. Vous savez que les douanes c'est fatigant. De ouf. C'est grave fatigant. Non mais moi la dernière fois que Udam l'a fait faire, j'ai commencé à 1h30 et il y en avait deux, putain, mais genre ils me saoulaient, ils arrêtaient pas de parler et tout, tu vois, de poser des questions pendant les douanes. Genre j'ai fini, j'avais 7 personnes. Hein. J'ai fini, il était 5h30. Bah moi j'ai fait deux groupes de 5, je commence à 22h. Ouais. Il est 2h15. Oh putain, ouais bah ouais. Allez, je suis un cheval. Yann-Paul. Si. Regarde-moi, Yann-Paul. Si, c'est Hippolyte. Hippolyte. Ah, mais il y a Darkala, ça y est, il arrive, il gueule, lui. Hippolyte, le troglodyte. Yes, oui, là. Tu es là. Pour virer la charrette. Faut d'abord le miner. Non, mais pour l'enlever, hey. Quand on l'a attrapé. Tu penses que si on... Tapez dans un arbre. Hey, tu penses que si tu vas à la mine... Tu refais E. Ça marche pas. Ah, si, c'est bon. Hey. En fait, on aurait dû prendre quelqu'un qui s'appelle Bernard. Comme ça, tu vois, il serait venu miner le métal. On aurait pu dire Bernard miné. Oh merde. Il est tard. Oh non. C'est un sommeil en moi. Tu sens la justification, il est tard. C'est pas ma faute. De ouf. Non, je suis désolé. Il m'a obligé à le faire. Laissez-moi tranquille. C'est comme, tu connais le film OSS 117? Ouais. Quand il tire une balle sur l'allemand, enfin pas l'allemand mais le... Ouais j'ai compris. Voilà, et il dit c'est pas moi, je sais qui c'est, j'ai vu, mais je ne dirai rien. Putain de merde. Ça c'était du bâillement. Hosto. Grave, top classe. En fait je crois que la mine, je l'ai défoncé. Je sais pas si t'en avais encore des veines là. Pas. Moi je continue de construire le truc de la mine un peu stylé. Ouais. Ouais, en fait, moi je suis là pour. Enfin, je sers à rien d'autre dans ma vie en fait. Tu build. Mais ne dis pas ça. Je suis un builder de. Ah, mais grave. Ah, non, mais je suis amoureux du build de ce jeu. Ah, mais là, c'est un ouage du craft hein, direct. Hein. Quoi?
Toi, t'es un chinois du craft, là. Vraiment. C'est un portugais. C'est quoi un chinois du craft? Bah, parce que tu craftes à balle. Tu connais pas l'expression farmer chinois? Mais le Tarkov fait un c'est... effort, quand même. Bah voilà, ouais, non, parce que là... Mais je suis fatigué, il est tard, je... Oh, regarde ce que je viens de retrouver. Regarde, mec, ce que je viens de retrouver en pétant une pierre. Ah, c'est bon, le cuivre. Jean-Paul. Si. Il est mal aux mains. Il faudrait inventer un système de sécurité sociale pour nous protéger des problèmes. Ah, yeah, c'est pas trop... si ça marcherait un jour, ça. Il pense qu'au final, on finirait par se faire baiser. Ouais, moi j'aime bien la sécurité sociale. ouais. Bah, sociale, oui. La sécurité, je la cherche toujours. Mais... Bah, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont pas prises en compte, mais... Bah, ouais. Moi, par exemple, j'ai des problèmes dentaires, c'est pas pris en charge, quoi. Si, c'est pris en charge, maintenant. Ah, pas les c'était implants. Très mal pris non, en non, charge, pas les implants. Mais... Pas les implants. Ah, tu me diras, c'est pas faux, ma mère a dû aller en Espagne, je crois. Yo, merci Namer pour le raid. J'ai retrouvé du cuivre. J'ai une parodontite et une dégénération de l'os de la mâchoire. Donc du coup, je perds mes dents en fait. Donc bah tous les 2-3 ans, je dois aller refaire des implants quoi. C'est bien. Et ça coûte 2000 balles l'implant. Ouais. Vas-y. Gros bisous. Ciao, Miss. Profitez de dormir là parce que ça fait plusieurs jours que vous dormez pas. Oui maman. Bah je vais y aller moi je oui. Oui madame. Oui, maman. Votre mère. Allez des gros bisous à demain. Enfin à tout à l'heure pour le coup. Mais ciao. Ciao. Vas-y il va me vénère lui là. Oh putain, il est en train d'essayer d'attaquer le truc. Merde, putain. Il tape la lampe torche. Ouais. Un chaman de mes couilles. Hors de tes couilles, je sais pas, mais... Ok, il y a plein de dingueries. Je me fais défoncer Hippolyte. Ah, il y a encore du truc au-dessus de toi. Fais gaffe parce que tu creuses sous ta charrette, là. Il essaie de contourner. Oh, du coup, messieurs, si. Moi, je vais y aller. Si. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Amusez-vous bien. Ciao, bisous. Bon reste de live. Si. Et à tout à l'heure. Ciao. C'est quoi déjà ce soir? Ah oui, c'est Arc. Ouais, ça va être formidable. Je vous ramène un copain. Mon copain un troll, j'espère. Ah si, il y a un troll au loin. Un troll on au loin, pas mais. Trop près. À la nuit. On peut pas faire tomber le troll dans le trou? Bah, si, il va tout péter en bas, quoi. Bah après il est coincé, on aura un troll de compagnie. Ah non, ouais, il va pas être coincé, non, il remonte. Mon arc. Non, il va remonter direct le troll. Je pense que là tu il le sais. Il va remonter par où? Bon, il remonte, il s'en bat les couilles en fait. Le troll il grimpe il grimpe partout en fait. Mais il y en a un. Il va pas de troll moi. Ah si. Oh le bâtard, il casse la maison. Comment ça? Ah bah il tapait sur la base. Ah non, c'est sur toi qui tape. Ah, c'est sur toi qui tape. Donc j'ai réparé mon arc. Allez, fais dodo. T'as bugué? Ah non, c'est bon. Non. Toi qui voulais plus bouger, tu sais. Elle va me manquer. Avec ce fait de la grotte, il va m'en manquer plus qu'un et je pourrais faire et mon. C'est du cuivre. Ah non, c'est de la pierre. Non, t'as du cuivre à droite. Il y en a partout du cul. Je vais me faire celui.
dans la grotte. Il y en a plein autour de la base du cuivre, hein, c'est affolant. Bon, moi je vais aller raid le copain d'Arca, du coup. Donc, suivent qui veulent. Suivent qui veulent, les amis. Pour le coup, on va déjà ink le petit raid. Je pense que c'est bon. Hop. Comme ça. Voilà. Hop. Allez, allez, tout le monde, on valide, on valide. Que 7 qui reviennent, qui vont. Bon, moi je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Des gros bisous. Et puis, bah, on se retrouve ce soir. Et je vous emmène chez Darka. C'est parti.